Oh, il y a Phila qui stream. Yeah. Ah non. Voilà. Le doublon. Voilà. Yeah. On va jouer l'odeur, j'ai envie de dire. Tu joues en facile toujours? Le temps que j'ai pas encore fini avec les persos, ouais. Oh. Reste encore 3 persos à terminer, plus 3 que j'ai pas encore débloqués. Ouais, faut tester un... tu peux découvrir les persos en normal, c'est bien, non? Comme tu veux. Ok. Il y a moyen d'essayer d'ailleurs de débloquer les deux autres, vu que je crois que le troisième, c'est forcément dans un autre mode. Les troisièmes, c'est-à-dire c'est lesquels? Parce que je vois pas lesquels t'as pas débloqué. Alors, il faut que je répare un robot cassette avec un réservoir de combustible d'une capsule de secours. Ouais. Et stabiliser la cellule dans les champs astro. Ouais. Bah si tu veux, on peut faire. Ouais, on peut essayer ça. Et après, il y a échappez-vous du planétarium ou terminer la vague 50 en simulacre. Planétarium, je sais pas ce que c'est dans un autre mode, non? Planétarium, c'est un boss, un autre boss, un nouveau boss qu'ils ont rajouté, un boss de fin de run. Et Simulacrum, c'est un autre mode de jeu. Ah, donc c'est possible. Ouais, c'est possible. Bah si tu veux, ouais, on peut tenter. On peut tous les débloquer en une run. Mais voilà, si tu veux. On peut se tenter ça. Je regarde juste rapidement au pire les... Alors... élimination de 20 ennemis en même temps. Écoute, ah, le robot... Ouais. Le robot cassé, faudra tomber sur la bonne map. Ok. Anéantir le boss du téléporteur en infligeant de lourds dégâts en une seconde. Waouh! C'est un succès de l'ingénieur, ça, je crois. Artificier. Ah bon? Ah. Ingénieur, c'est 5 secondes. Ah, ma vie. D'ailleurs, l'ingénieur, il me reste. Oui, mais, ouais, mais c'est 5 secondes à partir de début, je crois. Moi... D'ailleurs, il me reste que ça à faire pour l'ingénieur. Reste, je l'ai débloqué. Mais c'est quelle capacité que t'as pas débloqué? Celui de tuer en moins de 5 secondes le boss. Ouais, mais c'est secondary, utility ou spécial? Secondaire. Secondaire? Ah oui, les deuxièmes secondaires sont bien. Ils sont plus bien, je trouve. Hello, Kanto, comment tu vas? Hello, il y a des gens. Oui, hello, plaisir, comment tu vas? Bon, dans tous les cas, j'ai dit que j'allais jouer l'artificier pour découvrir. Donc, c'est 20 éliminations, anéantir le boss en une seconde avec un très gros dégât, et tuer 15 ennemis avant de toucher le sol. On va le faire.
Comment ça va? Ça dépend ma part. Oui, vas-y. Def, il aime bien l'artificier. Elle est pas mal l'artificier, mais franchement, je la joue que avec Purity en général. Un objet lunaire. En vrai, je peux déjà commencer à faire les 15 kills en étant dans le vert. Que j'aille tout en vrai. Shame of Blood. Ah oui, du coup, pour réparer le robot cassé, c'est à un des stages 4, il y a un robot cassé qu'il faut le réparer, et pour le réparer, il faut prendre la batterie qu'il y a dans ton drop pod. Le drop pod où t'es arrivé, il y a une batterie qui se met à l'emplacement des objets orange. Et avec ça, tu peux réparer le robot, en fait. Et le malus, c'est que si tu tombes à 50 PV ou moins, tu meurs. Et ton truc explose. D'accord. Donc ouais, il faut te faire une run sans descendre en dessous de 50 PV si tu veux y arriver. Il y a un objet que je te laisse là, un peu dehors, on va passer après. Oui, j'arrive. C'est juste que comme dit, en gros, T'inquiète. Là, actuellement, je suis au point le plus haut et je vais tenter de faire des 15 kills. Ouais, t'as vu que t'avais un planeur et tout. Ah oui, c'est pour ça. Yeah. Je pense que t'aurais moyen de venir genre parler avec tes amis. Ouais, mais j'en ai pas trop des ennemis. Mais... Je prends en grab. Oh là, oui, c'est bon, j'en ai plein de mon côté là. 1, 2, 3, 4. Il y en a un petit en bas. Si tu peux. Attends, je le grab sur moi. Vas-y, attaque-moi. Bien. Yeah. 7. 9. Il y en a plein d'autres qui arrivent. Ouais, tu vois. 13, 14. 15, c'est bon, merci. Yeah! Ça, comme ça, ça c'est fait maintenant. Et du coup, au bout du tunnel là-bas, il y a un, je te laisse un Lichin Seed. Quoi
Yes, t'avais une bouteille de gaz. T'as bien avec ton lance-flamme. Attends, attends. Mais non, non, je regardais juste. Ah non, c'est devenu un steak. RIP. Non, je prends. Et du coup, si tu veux, t'as. J'explose. La shower? Non, je garde les recycleurs pour l'instant. La shower, c'est pas ouf ouf. C'est avec suite à un build pour devenir un être de lumière pure. Et devenir quasiment indestructible avec la blast shower. Oh. Trail of the Mountain. Et un recycleur ici. Et du coup, tu veux tenter de réparer le robot? Je suis un peu tenté, j'avoue. Viens voir si tu veux. Oui, j'ai vu, j'ai déjà ouvert Ah ma ouais. case avec le truc écrit extrêmement instable. Mais du coup, ça remplacera ton Royal Capacitor si je veux le prendre. Pas de dégâts de chute, c'est pas grave. Allez, vas-y, je le prends. Et donc là, j'ai plus le droit d'atteindre les 50% de PV. Voilà, si t'arrêtes à 50%, en fait, ça te mange les 53%. Donc, prends pas de shrine de sacrifice du coup. Je pense qu'on Attends, pourra y je vais. aller, hein. Attends, deux secondes. Parce qu'il y a une imprimante à steak ici, mais autant les steaks, on s'en fout. Autant j'ai un recycleur, du coup je peux recycler le steak en autre chose. Oh, nice. Le guichet. Voilà. Attends, j'ai pas trouvé le newt. Je sais pas s'il est sur cette map, je crois pas. Pour aller au shop, mais c'est pas très grave. Tu peux lancer dès que tu veux, juste recycler un objet, j'arrive. Sachant que les recycleurs sont pas bloqués pendant le combat du boss. De l'utiliser en. C'est une monnaie en fait, le machin que t'as ramassé dans le drop pod, c'est une monnaie. Y a que ça qui peut réparer le robot cassé sur une certaine map en fait. Oui, donc tu peux pas l'activer spécialement ou quoi. Non, il a rien d'autre. Il a juste l'effet passif malus et ça. Oh! Il y a un Titanic Nurl si tu veux. Est-ce que tu veux l'objet jeune ou est-ce que je le prends? Je Si ne tu sais veux. pas ce que c'est. Bah vas-y, prends-le, Si j'en test, récupère un peu. test. Ah bah oui! Oui. Si je peux récupérer des PV plus rapidement, oui. Oh non, c'est nul ça. Il spin. Il spinning. Hinlo.
Et tu peux récupérer la pièce aussi, hein. J'en ai 140 000, donc ça va. J'avais pas vu. Je vais juste aller recycler un autre item et après j'arrive. Oh, encore je peux TP de la sang. Bah écoute, ça va bien toi. Je savais pas comment tu te sentais, je savais pas si tu voulais jouer, donc mais surtout que moi j'ai lancé le jeu, c'est surtout le fils qui est venu me mettre en mode ah, si tu veux, j'arrête bientôt. Hein. Et du coup, là, je viens de voir un coffre du Void, donc je l'ai pris. Mais du coup, prends pas les coffres du Void non plus, toi, parce que c'est... Ouais, je les achète. Comme hier, t'étais à l'hôpital et tout ça, bah, je me suis dit peut-être que t'as besoin encore de te reposer encore aujourd'hui. It's for you, de place brouche. On peut à la prochaine. Si tu peux rejoindre là, mais. Enfin, ça va être un peu plus de voir. Si elle rejoint maintenant, je crois qu'elle sera juste en spectatrice. Je sens pas que ça marche. Une crusty box ici. Ouais, je suis allé. Okay. Tu connais le truc spécial de cette map? Les deux plaques qui mènent au sous-sol, yes. Avec les deux boss. Je pense. J'ai trouvé une plaque. Ah yes, elle est où? Voilà. Voilà. Ok, bah je vais chercher l'autre vite fait. Pas là. Je vois pas d'autre, je cherche ailleurs. Allez, ah, elle est là, ah. Là, la deuxième. Ah, ça, c'est là, tout de suite. Si tu vois un backup magazine, là, je suis bien preneur, moi.
c'est bon. Je prends l'anneau de feu, si tu veux, je te laisse l'anneau de glace. Je trouve un anneau de glace en plus, donc j'ai les deux. Je vais juste prendre le shop qui est juste là. Sur cette map, il y a le newt, il apparaît toujours sous le crâne du gros squelette en haut de la map là-haut. Moi je suis prêt. Let's go. Je vais te prendre pour la prochaine. Alors qu'est-ce qu'il y a? Oh! On a de quoi avoir un frein. Si tu veux le jaune là. Ça invoque un frein. Papa. Et après on a un verre en plus chacun là. Moi je vais pas le prendre tout de suite, je vais attendre que mon recycleur se recharge et je vais transformer. Parce que je suis pas fan de ce item. Je suis pas contre de faire des. D'avoir plus de vitesse quand je fais des pieds là. Ouais, mais moi la vitesse je préfère juste quand c'est stable ou quand c'est contrôlable quoi. Ça j'aime pas, je suis pas fan. C'est des petits bursts très rapides en fait. C'est pour ça que je suis pas fan du lasso aussi. Parce que l'asso dès que t'attaques en fait ça va t'auras plus ton boost de vitesse. Et c'est qu'une fois que t'as arrêté d'attaquer pendant 7 secondes, ça va remettre. Pour toi? C'est... Ouais, vas-y, bouge.
Au stage 3, il faudra bien prendre le shop. Parce qu'en fait, il faut arriver au bon stage 4 pour pouvoir réparer le robot. Et il y a trois différents stages 4. Et au moins, si on va au shop, on aura la chance de choisir entre deux. On aura plus de chances d'y aller, quoi. C'est toujours bien à prendre, ça fait rien de spécial. Toujours bien à prendre. Si je mets après tout le temps sur une narpoule, ça fait des trucs à dépenser. Et c'est là que tu peux choisir entre deux stages à la suite. Et parfois il y a le boss doré, là, je sais plus si tu l'as fait, le boss doré qui peut apparaître, ou le Void Locust, c'est une map du DLC du Void que t'empruntes pour aller. Oh oui, je vais le faire. Yeah. C'est quoi ça? Ça c'est Gesture of the Drowned. C'est un succès assez chiant à faire pour les débloquer, mais c'est un des meilleurs items lunaires. Là, je peux en prendre, mais en gros, ça divise de moitié le cooldown de ton activable et ça utilise ton activable automatiquement en fait. Dès qu'il est disponible, ça l'utilise. Ah oui, ok. Et ça, c'est ultra pété. Et du coup, t'as pas mal d'activables qui peuvent devenir permanents quand t'as assez de gestion de drown et fuel cell et tout. Ah. Ça, c'est très très fort. Ça va pas bien avec tous les trucs, mais c'est super fort. Parce qu'il y a un activable lunaire, c'est le Spinel Tonic. C'est une potion qui booste toutes tes stats énormément. Et tu as une faible chance, une fois qu'elle est finie, d'avoir un malus qui reste permanent sur toutes tes stats. Et mais du coup, tant que le Spinel reste activé, bah, tu n'as pas de malus. Et du coup, avec pas mal de gestion de drame comme ça, tu peux être OP. Et attends. Si tu veux libérer les prisons là, du Void, c'est le passage en bas avec le gros portail violet. Oui. Et si on finit... Merde, je suis bloqué. Merde. Non, c'est bon. Et si jamais on finit les neuf trucs du Void, et bah c'est bien. Par contre... Attends, je regarde, t'as pas de soins, t'as pas trop de soins. Enfin, t'as pas trop de soins que tu peux utiliser sans ennemi, donc il vaut mieux pas trop essayer parce que t'as toujours le truc instable sur toi. Ouais. Et du coup, si jamais tu. Surtout qu'en fait, c'est. Ouais, là-bas, en fait, le Void s'est rempli d'un fog qui te fait des dégâts. Ouais. Il faut passer de checkpoint à checkpoint, donc il vaut mieux pas faire maintenant. Non, je sais déjà les. Ce sont les gens qui m'ont massacré vu que justement, j'avais plus de vie à cause du fait que j'ai été bump. Ah ouais. C'est pour ça là-bas, vaut mieux y aller avec des bungus ou des trucs comme ça, des trucs que tu peux utiliser. Donc on prend le partage du coup. Yes. Et en sachant que les Void Fields, si tu veux les faire en vrai, vaut mieux y aller le plus tôt possible parce qu'après il y aura des ennemis très forts, ou alors faut vraiment y aller quand t'as un bon stuff et tout. Ouais. Ça va vite augmenter la difficulté là-bas. Surtout qu'ils ont des items. Donc. Du coup, j'ai le mute, on aura le shop. Pas beaucoup d'ennemis. Hein. C'est le début pour l'instant. Puis c'est vrai qu'on est en drizzle en plus, donc il n'y a pas vraiment de spawn.
Oh, j'ai un Mastercard. Prends plus de shop, de t'es de des 3 shops à 3 là, avec 3 je items. laisse. J'ai un Mastercard. C'est moi qui fais le sugar d'Adil. Hello petit panda, comment tu vas? Inlo. Yes. Eh bien, c'est gentil de passer. Attends, j'attends que ma carte se recharge. Je prends. Le triptyque, je pense que tu peux prendre aussi. J'attends juste de l'acheter, mais tu peux prendre aussi. Ouais, non, c'est pas y prendre. Ouais. J'ai voulu grab l'ennemi, mais je me suis grabé au mur, du coup je suis tombé. Ah, rip. Et le dernier item, tu peux prendre du coup celui-là. Ah, t'as l'air du coup tout ce qu'il y avait au niveau du spawn? De quoi? T'as l'air du coup tout ce qu'il y avait au niveau du spawn? J'ai pas tout regardé, non. En dessous, je peux les voir. Il y a rien en dessous. Je donne mon équipement au drone. Non, mais il pourra pas s'en servir du coup. Non, je me doute. Par contre, ouais, non, en fait, non, j'allais dire, il y avait un truc au-dessus, mais non, il y a juste un recycleur comme équipement au-dessus, donc ça me servira à rien. Il y a un coffre ici. J'arrive. Par contre. C'est quoi? Ah oui, tu passes. Ouais. Je peux essayer dans la défense quand je tue les ennemis. Plus je défense, mieux c'est parce que là vraiment j'ai pas envie de mourir sur 50%. Là j'ai assez de... Non attends, je vais pas se casser, encore c'est... Ouais. J'ai assez pour prendre un objet rouge au shop. Ça c'est bien.
Ah oui, il doit y avoir aussi une crusty box du Void pour moi. Ah bah si tu veux du soin, il y a du bungus là. Toujours. J'ai déjà pris des bungus. J'en ai déjà un peu. Ah, ça c'est pour toi, tu fais plus d'effet. Et le drapeau, si tu le veux, en vrai prends-le, tu peux le stacker. Ouais, moi, je les recycle. Ça m'en fait 3. Ouais, ouais, le drapeau, je les recycle de toute façon. Donc, ça, je suis pas, ça j'aime vraiment pas. Donc, tu prends si tu veux. Ça, je prends. Ah, ça, je prends ça. J'en ai déjà un, si tu veux, tu peux prendre. Là, ah bah y a plus de bungus ou un polylute ou un objet pas drôle. Ici, là. C'est un objet à choisir. Le polylute, il corrompt les ukulélés. T'as un bungus à la fin, ouais, les lunettes, elles sont pas drôles. Oui, ça, je connais. Bah, en vrai, même si c'est pas drôle, ça peut m'aider à faire le. Attends. Ah non, ah, c'est sur le nom de base, c'est vrai. Si t'en as qu'un, ça va pas énormément t'aider, tu vois, ça va être... Ouais, c'est pas drôle en late game et tout. Sinon, un autre Bungus, hein, ou polylute. Le lutte, c'est marrant. Ouais, je vais prendre le lutte, c'est juste que... Avec les ennemis qui est en train de me taper, j'ai préféré sauter... Trop de dégâts. Après, là, je t'ai laissé deux items. Si tu le veux pas, je les prends. Je vais les recycler, je pense. Sauf peut-être le premier. Là. Hop. Voilà. Là, je prends le deuxième, je peux te le laisser. Yeah. Donc. Bah, moi, je suis prêt. Ah, il est là-haut. Non, non, il se déplace. Oh, deux Death Snark. J'en prends une. J'en ai pris une. Ça, c'est bien d'en avoir au moins un, après, si t'en as plus. Pas hyper. Mais ouais, toi, vaut mieux que tu les prennes toi, parce que tu fais pas mal d'effets déjà. Là, en effet, t'as des flammes boostées, donc ça fait 1 et du saignement un petit peu. Ouais, t'as pas encore assez d'effets pour proc. Avec le temps. Ah, il y a un coffre là qu'on a mis. Bon, je vais les laisser m'attaquer, hein, ils vont se tuer tout seul.
Bravo, je peux juste spawn dans le salon. Bravo, bravo. Ah, y a pas le bon. Ah! Bon, on aura une chance sur 3 du coup de tomber sur la bonne zone. RIP. Ah, l'item est pas ouf en plus. J'ai de quoi m'acheter un item rouge, mais celui-là il me sera inutile si je fonce, parce que j'ai pas de missiles. Parce que ça booste tes missiles. D'accord. Ça, en fait, pour chaque source de. Enfin, ça créera 2 missiles en plus pour chaque missile que tu tires. Et si t'en prends plus de ce rouge, ça boostera juste tes dégâts. C'est bon, on est dans la bonne zone. Du coup, bah, si on peut faire ça maintenant. Ouais, c'est où? Faut aller tout en haut. Bah, tu peux passer par les chaînes, les grosses chaînes qu'il y a. Ah, en plus, parce que en plus l'artificier, genre son deuxième R, enfin sa deuxième quatrième capacité, c'est une grosse explosion d'électricité qui la propulse en l'air et tout. Comme ça, tu peux faire des gros sauts de planer. C'est très pratique pour se déplacer. Le lance-flamme n'a pas de mobilité. Yes. Il y a des trampolines. En vrai, tu peux passer par là. Il y a un petit trampoline juste au sol ici. Et un autre sur la plateforme. Allez. Attends, je vais t'aider. Et là, tu prends celui à côté. Et là, faut aller là. Vas-y, je te laisse faire. Je te laisse fouiller. Ça va? Ok, bon bah merci. Power plant. Littéralement, power plant, c'est un jeu de mots. Et donc là, du coup, maintenant, j'ai plus le problème des Bon. 50%. Bah du coup tu l'as plus donc non t'as plus le problème de 50%. Ok. Power plant, jeu de mots. Ils font pas de dégâts. Je fais bankrupt. C'est corrompu. Le crusty cake. Ouais, sympa. Hein. Ouais, la clé corrompue, ouais, tu l'as pas pris, t'as bien fait, parce que si tu avais déjà une clé normale, du coup tu dois avoir ta boîte sur le terrain, donc vaut mieux prendre la boîte et Non, ensuite prendre la clé. justement, c'est au prochain niveau que Ouais. j'aurai, parce que la clé rouillée, là, je l'ai eu sur ce niveau. Ah, ok. Bah je vais prendre l'encrusté de clé, parce que j'en avais une là, j'en ai plus, donc comment comme ça on aura les deux boîtes. Ça fait le rire.
pas une potion tout en haut. Mmh, tu peux la prendre si tu veux. Bah, en fait, j'en ai déjà une. Bah, j'en ai déjà une aussi, mais je les recycle moi. Donc... Toutes les fois où je suis mort avec une potion dans l'inventaire, elles sont consommées, mais je suis mort quand même. Donc... Et c'est vrai qu'en plus, sur cette map en plus, il y a un coffre légendaire qui est caché, qui est toujours au même endroit. Ouais, j'ai vu la première. Tu connais. Oui. Yes. T'as un scrap. Attends, pardon. Ah, yes. Et franchement, si jamais c'est le Hard Light Afterburn qu'il y a dans le coffre légendaire, franchement, je prends. Hein. C'est pour toi ça. Les tunnels sont pas ouverts derrière. Dommage. C'est bon, ça peut aider à faire apparaître des mobs. Moi je dis pas non. Je t'ai laissé. Il y a un couteau par terre vers le recycleur qu'il y avait là-bas aussi. Oh, ah! Merde! Putain, j'ai vu passer. J'ai vu passer un leaf clover, je l'ai loupé. Je suis allé. J'ouvre le coffre et j'arrive. Ok. Il y a quoi dedans? Attends. Il me faut juste encore même pas 100 et. Voilà, là je peux l'ouvrir. Scorpion symbiotique. Ah, vas-y, prends-le. Ça, en plus, ça pourra t'aider à proquer ton deathmark. Oh, il y a un bouquin là-bas.
dans le livre? Non. Mais il y a un bouquin, c'est un log d'ennemi. Il y a un coffre à côté de toute façon. Hop. Okay. Un log sur les hermites crabes. Il y a une imprimante jaune à charge perforator. Si jamais il y a un des jaunes que tu veux plus, tu peux aller le recycler et ensuite avec le scrap jaune, tu peux aller t'imprimer ça. C'est un truc, c'est une des queues des gros vers. C'est un truc, ça a une chance de faire tomber l'éclair sur un ennemi que tu touches à chaque fois. Parce que je sais que t'as plusieurs jeunes, je crois. J'en ai deux. Ouais, mais s'il y en a un que tu veux pas, franchement, tu peux recycler, ça c'est un bon item. Audrey, comment tu vas? Pour le moment, les deux me servent d'argent. Ok. Ah bah ça va, quoi de beau. Je crois qu'on a fait le tour. Yes. Le newt là, il est pas accessible sur la map. Attends. J'essaie de l'attraper. Dis. Un coup de strap. Moi je promène ton Beetle Guard dans S. Merde. Oh non, je t'ai volé un scrap. Tiens, si tu veux, je te passe un scrap vert en échange. Tu veux, Alors. Mais non. Yeah.
Ah oui, d'accord. Bon, là, c'est pas pour moi. Hein. Okay. Je ne savais pas comment marche exactement le déchet régénérant, mais ouais, en fait, il se recharge à chaque nouveau niveau. Le quoi? Le déchet régénérant. Ah oui. Il est super bon. Mais justement, en fait, ça, c'est le truc, si t'en as 5, au moins 5, tu peux avoir un item rouge gratuit à chaque shop, en fait. Et ouais. Ça, c'est bon. Du coup, c'est bon pour moi. Bah, moi aussi. Oh, vas-y, vas-y, prends le... Ah, mais il y en a deux, des jeunes. Ah, deux jeunes. Bah, un shatter spin chacun. Super bon, ça donne 5% de critique et les effets qui sont marqués après. Toujours saigner et explose. Les ennemis qui saignent, ils explosent. C'est cool. Et du coup, avec le DLC, c'est pas mal. Parce que la version corrompue des couteaux, dans ce cas, vaut mieux la prendre. Parce que comme ça, au moins, tu pourras afficher à la fois des saignements et à la fois des collapses. D'accord. Ça, c'est cool. Et du coup, t'as deux effets en plus. C'est mieux pour la Deathmark. Plus de dégâts, etc. Enfin, plus de dégâts. Différents types de dégâts. Non mais il est loin en fait. Je regardais ce que c'était de loin parce que je voyais beaucoup de griffes. Hein? Mais de toute façon il est là. Le portail il est là donc on peut pas la réparer. Et puis au pire c'est pas très grave. Moi je suis prêt. Quoique, attends. J'ai 10% critique. Quoique, en vrai, j'ai pas énormément de critique. Ah. J'ai recyclé mon shatter spleen au machin à éclair là-bas. Voilà, je suis prêt. Et ben, on va TP. Oh. Look, I can grab you. Attends. 3. Look. Voilà. Patrick. Y'a plein de monde. J'aime bien comme la boule de pique, elle a. Elle rebondit sur toi. C'est un moyen. Ça fait des dégâts, mais ça vise très mal, ce machin. Oui, tu peux spray friend, oui. C'est super bien sur l'ingénieur parce que les tourelles elles l'ont aussi. Ouais. Mais sinon c'est pas. Ça vise lent, ça vise pas très bien, mais ça charge lentement.
Tout va aller mort, j'ai pas pu la sauver. C'est pas grave. Tout ça. Ah, t'as des crusty box juste ici. Non, de la mienne. Attends. Je récupère un mid là. Ouais, j'ai le coup de l'air. Hop. La fusil. Ça, faudra pas l'oublier avant qu'on fasse le portail. Il y a un fusil par terre là. Moi, je le prends pas parce que faut que j'ouvre les coffres. Mais ouais, c'est bien le fusil. Tu l'as déjà testé le fusil? Le fusil bleu inactivable? Je sais pas. Non, celui-là il me dit rien. C'est... En fait, ça one shot un boss. Et ce boss il va lâcher son item jaune assigné. Et après, ça consomme le fusil en fait. Et ça devient un chapeau qui. Enfin, quand tu... Le chapeau, quand tu l'utilises, ça écrit juste Aoi dans le chat. Et ça fait rien d'autre. Et par contre, je... C'est mon grappin qui est bugué là. Bah, du coup, faudrait que je l'utilise pour faire le succès alors. Ah ouais, remarque. Tu tues un boss en moins d'une seconde. Et il faut tuer tous les boss du portail ou un boss? Non, non, juste ça dit qu'il faut tuer un boss. Ouais, du coup, je pourrais prendre. Par contre, j'ai mon grappin, il est bugué. Mon grappin, il est resté planté dans le sol, mais il m'attire pas, mais du coup, je peux plus le relancer. Ouais, c'est bugué, moi. Je vais chialer. Et... Je vais chialer. J'ai juste chouiné en fait, c'est rien. Attends, je vais essayer de me jeter un... Non, c'est bugué. Bon, je peux utiliser mon garde. Hein. Ouais, mais c'est de la mobilité, le grappin. Attends, qu'est-ce qu'on fait là après, en cycle ou on va voir Mitrix? Bah, de toute façon, il reste quoi là actuellement? Ah, bah non, mon grappin est revenu, non, c'est bon. Il reste quoi? C'est-à-dire, enfin, tu veux faire quoi après? Tu veux faire les autres succès? C'est à moi de au moins débloquer les autres persos. Ouais, bah si tu veux, on peut... Ouais, bah on peut... En cycle, on fait le Void, en espérant que ce soit pas trop dur. Et après le Void, on fait le Deep Void. Et, on... et si tout se passe bien, deux blocs de perso. Ok. Et... Ouais, mais du coup, je garde ma Mastercard. Il y a un trou noir ici. Et je vois un Trick Shop là-bas. C'est drôle, le trou noir. Ouais, il est sympa. Ouais. Quand c'est des scavengers qui l'ont, il est moins sympa. Ah bah du coup, tiens. Il y a un Needle Tick ici, le triptyque corrompu. Ouais. Comme ça, tu pourras proc... Attends, non, parce que du coup, t'auras des flammes, du saignement, du collapse et scorpion. Du coup, tu pourras commencer à proc ton Deathmark. J'en ai 4. Yes. Sachant que le saignement. Alors, t'as 40% de chance de faire le collapse. Et saignement. Tu dois avoir 10. 10% de chance. Ouais. Juste pour être sûr, l'activable du fusil à pompe bleue, ça marche comment exactement? Ça, tu vois, ça va mettre un curseur sur le boss si jamais t'as un boss en joue, et quand tu tires alors qu'il y a sur curseur, ça va... Tu one-shot le boss, ça va, ton fusil sera plus là, t'auras 60 secondes de cooldown, et l'objet, il va apparaître au sol, donc si le boss est au-dessus du vide, vaut mieux pas faire ça, parce qu'il va tomber dans le vide. Et sachant qu'ils avaient corrigé un peu, parce qu'il y avait des bugs, mais les gros verts, les gros worms... Avant,
y a pas mal de chances que l'item passe en dessous du sol et tout, vu qu'il est de bois, mais souvent à moitié dans le sol et moitié pas dans le sol. Mais normalement, ça arrive moins souvent, ça. Donc en ça, je peux préparer l'attaque, enfin, je peux préparer à l'avance d'appuyer sur... Mais en soi, même pas, en fait. Parce que juste, c'est du moment que t'as le boss dans ton champ de... Du moment que t'as le boss à peu près au milieu de ton champ de vision, même à l'autre bout de la map, si t'appuies sur F, c'est bon, quoi. Ok. Et là, je te laisse des items par terre, si tu veux. Non, parce que, en fait, comme dit, j'aimerais essayer de faire le sauver correctement et rapidement, vu qu'on a des drones, etc. J'ai pas envie qu'il, qu'il le tape avant. Ah, viens prendre ça. Ça te donnera 5% de chance en plus de faire des saignements et des crits, quoi. Ouais, j'arrive. Donc, les objets qui traînent, tu les prends pas? Non, non, je les prends pas. C'est ça. Pour les luttes. Bah, pour les luttes, je te les laisse. Je gardais les ukulélés. Ah, si t'as des scraps blancs, je te conseille de prendre ça là, sur l'imprimante. C'est très bon. Donc, ton perso est un peu squishy, donc c'est bien. Là, t'as un chapeau fantomatique. Une fois que tu auras utilisé le fusil, bah, tu auras un joli chapeau. Ça l'améliore. De quoi? Ça améliore le dash. Ouais. Ouais, la longueur du dash. Ouais. Le scrapper là-bas, je vais scraper des trucs. De toute façon, on a fait le tour, je crois, non? Je sais pas si on est allé. T'es allé en haut? Non, pas totalement. Je vois rien de là, mais je sais pas. Là-bas, je suis pas allé non plus, il me semble. Ça se trouve, en fait, je me souviens non plus. Je vais scraper des trucs et je vais y aller. Bon bah en plus il y a le portail Ah oui non mais c'est pas le même portail du coup. J'avais dit qu'on allait faire une boucle. Si en fait c'est les gros piliers autour du portail, il faut cliquer dessus. Et s'ils sont tous alignés sur une seule ligne, c'est qu'on reste sur la planète. S'ils sont en cercle, de base ils sont en cercle. S'ils sont en cercle, c'est qu'on va sur la lune. Ils sont en cercle. Bah clique dessus et ils vont s'aligner. Là, ils sont alignés. Yes. Aligné, c'est marqué dans le chat après. Aligné with the planet, aligné with the moon. Et en vrai, attends, prends pas le truc, je prends les minutes là-bas. Il y a des coffres encore. Voilà. Tiens, des shrooms. Et du café si tu veux. Ouais. T'as un ascenseur pour remonter directement ouais, là. Sais,
Du coup, c'est bon pour moi. Moi, pareil. Du coup, on pourra prendre le shop. Ah bah merde, c'est pas des boss du coup. Enfin, c'est un Horde of Many, donc c'est pas les boss que tu peux viser avec le fusil. Donc ça attendra. Bah défaut. Moi j'en prends une. Rester dans la mixture là. C'est bon pour moi. Yes. Des boîtes serres. On peut devenir un cerf là. Bon, en vrai, tu peux les. Est-ce que tu te soignes souvent? Ou pas. Alors je cours, vous voyez, ça me soigne. Ouais, non mais je veux dire, est-ce que tu prends beaucoup de dégâts et tout? Parce que moi, pour l'instant, je suis tout le temps sous barrière, donc... Je fais pas spécialement attention, pour le coup. Non, je vais prendre. De toute façon, je peux me l'acheter aussi, hein. Yeah. Oh. Du coup, ouais, là, il suit à la zone dorée, mais c'est pas obligé de le faire. Du coup, est-ce qu'on va dans le Void et qu'on débloque les persos, là? Est-ce qu'il y a un boss dans le Void? À la toute fin du Deep Void, il y a un boss, ouais. Mais enfin, c'est un boss de fin de run, c'est pas un boss que tu pourras one-shot avec le fusil, en fait. Et il pourra peut-être y avoir des boss dans les Void Field, et dans le Deep Void, avant le gros boss de fin de run, si on reste assez longtemps, ouais, il y aura des boss. Ouais. Mais, oui, il y aura des boss, tu pourras les one-shot, et en fait, c'est des gros crabes, là. Il lâche la version corrompue des objets jaunes, et si tu la ramasses, en fait, ça va corrompre tous tes objets jaunes en un machin qui nous invoque des copains du Void. Mais enfin, ça marchera pour le succès, quoi, en gros, si c'est ça que tu demandes. Oui, c'est surtout pour ça, parce que j'ai vraiment pas envie de le rater, en sachant que du coup, c'est la première fois que j'ai le flingue. Genre, je sais pas si je serais capable de pouvoir faire du one shot plus tard. Je pense ça. Du coup, je laisse la Mastercard. Et je prends la potion qui pique. Pas assez vite. Un peu plus haut. Ouais, j'avais pas assez vite. Friendly Fire!
soigne aussi. Tu vas ? Ça squish squish le nounours. Ouais, vas-y, vas-y. Squish ! Parce que du coup, comme tu me faisais des dégâts, ça me donnait de l'argent. Yes, parce que t'as le machin. C'est ça. Bon, ça, je fais pas sur... enfin, ça peut pas le faire sur toi-même quand t'as l'item, mais ça peut le faire sur tes alliés, ouais. Et ouais, du coup, t'as les bungus, donc ouais, quand t'es dans le void, quand t'es dans le void comme ça, n'hésite pas à courir et tout. Et bon, je suis prêt. D'ailleurs, ils ont rajouté des coffres dans le void, ça c'est cool. Mais ils ont aussi fait en sorte que le temps passe toujours ici dans les void fields, parce qu'avant, tu pouvais farmer en fait, quand t'avais l'artefact de sacrifice, tu pouvais farmer les items. De manière un peu OP. Là, j'ai des Razor Wire en fait, donc j'ai juste à sortir dans le brouillard pour faire des dégâts aux ennemis. C'est quand même bien pratique. Bah du coup, faut aller où là? Là, faut rester ici, en fait, faut charger la zone. Et il y a 9, en fait, c'est des machins de prison, en fait, des salles de prison. Okay. Et il y en a 9 à charger, et voilà. Et après, tu verras. Et en fait, à chaque fois que tu charges, à chaque fois que tu actives une cellule en plus, ça va rajouter des objets et des ennemis. Enfin, ça va rajouter des objets aux ennemis. À chaque fois, ce sera les mêmes, ça va s'accumuler. Et à la fin de chaque cellule, ça nous donne un objet chacun. D'abord vert, puis d'abord blanc, puis vert, puis un rouge à la fin. Ok. Puis voilà. Oh d'ailleurs, attends, je reviens. Ça fait moins de 5 minutes qu'on est là. Parce que le log de la zone, il reste que 5 minutes. Je sais pas si avec ton loadout, t'as assez de mobilité pour y aller. Ouais, donc c'est bon, je vais. On avait ramassé le gars, on avait galéré à le ramasser pour def. Je le ramasse. Voilà. Donc j'y pense. Yeah. Il est en dessous de la map en fait. D'accord. Dans les coins cachés. Donc là je le referme. Bah là tu choisis l'item que tu veux. Ah d'accord. Et ensuite faut aller au suivant. Je prends ça. Et le suivant, il y a un grand faisceau dans le ciel pour indiquer où il est. Et à chaque fois, on va tous les faire en fait. Il y a différents selles sur la map et il faut tous les faire. Il est là-bas. Attends, c'est de l'autre côté qu'il y est. Mais après, les coffres, on pourra les faire au fur et à mesure. Surtout que je vois qu'il y a des champignons, donc je préfère les prendre maintenant. Comme ça me heal vraiment encore yes. plus. Yes. Mais après, de toute façon, on pourra les faire au fur et à mesure ou à la fin, à toute fin, le fog il disparaîtra. D'accord. Donc là. Bon, ça va, là, ils ont des cochus slugs, ça devrait pas être trop chiant. Ils ont 5 cochus slugs, donc si tu les attaques pas, ils vont se régénérer un peu. C'est mieux que eux-mêmes attaquent. Si tu veux, je reste dehors, comme ça je leur fais des dégâts. Ou alors je viens, ça charge plus vite. Ouais, c'est mieux de faire charger plus vite, en vrai. Ok. Après, sinon, je peux faire du friendly fire. Parce qu'en soi, je nous fais que 1 point de dégâts, pas beaucoup. En vrai, moi, ça ferait farmer l'argent. J'avoue. De toute façon, j'ai des bungos. Pouvoir de l'amitié. Ah oui, du coup. Par contre, je peux faire des dégâts à des alliés. Et il y a certaines invocations alliées qui aiment pas quand tu leur fais des dégâts. Genre là, il est vénère contre moi, ton Beetle Guard. Sauf qu'il peut pas m'attaquer. C'est normal. Il est juste, si on était avec Chaos, il pourrait m'attaquer, mais... Il est vénère, le bébou. Il y a aussi, je crois, tes invocations du Void ou tes empathicores, elles peuvent être vénères contre toi. Ah, toujours. Au fond, là-bas. Ouais, je regardais juste rapidement c'était quoi le print, mais pas intéressant. Oh. Grapit. Lui have mini. Farmer l'argent. Sachant que le Hellfire Tincture il te fait pas vraiment un dot de flamme, mais il est quand même boosté par la bouteille de gaz. Donc. En fait,
Pet est mort. Oui, il revient de toute façon. Heureusement. Un gros loot bug avec des muscles. Si à la fin des. À la fin de la dernière cellule, les mobs ils ont un item rouge. Si c'est des Tesla, c'est ultra chiant. Et parfois en fait les mobs ils ont, tu sais, le Dio's Best Friend. Du coup ils ont, à chaque fois ils réapparaissent, ils ont une vie en plus. Et quand ils réapparaissent, ils ont des quelques secondes d'invincibilité. Sauf qu'ils réapparaissent même après la. Une fois que la cellule est finie, normalement ça bute tous les mobs, mais là ça les fait réapparaître quand même et tout. Un bucket magazine là, comme ça j'ai plus de grappins. Il est venu tard, mais il est impossible. Il est de l'autre côté en bas. Il y a une imprimante à café si tu veux. Là, faut que j'arrive à voir par où je peux monter. Non, il est en bas, il est en bas. Pas besoin de monter. Oui, non, mais pour le café. Mais après, bah là, tu peux monter par là, il y a des pentes et tu fais des zigzags en fait, tu fais des lacets. Ouais, je ne maîtrise pas encore à ce niveau de tâche. Comme une touche de shrooms. J'ai combien de scrap? Ah non, c'est vrai que j'en ai plus vu que j'avais utilisé pour les. Ah. Si tu veux, je te donne un café. Allez, pay you the coffee là. The coffee là, oh non, j'ai pas fait exprès. Bah, du coup, on peut activer. Avant, je vais faire ça. Ça te montre. Ah ouais, donc ils font beaucoup plus de... ils font deux fois plus de dégâts du coup. Fais gaffe. Même si bon, c'est pas. Les Razor Warriors, c'est toujours bien avant cette zone. Oh nice lunette. Ouais. Ça c'est de prendre des lunettes. Ouais. Ça fait plus d'explosions, plus d'ennemis qui saignent. Je sais pas où je vais. Non, c'est là-bas, c'est de l'autre côté. Au sol. Ah bah y a mon Krusty Box du Void. Ici, donc il y a la version corrompue des anneaux, ou le tardigrade en peluche, ou une autre clé, si t'en veux. Ah, je veux bien. Yeah. Mais franchement, cool. Eh bah, go. Ok, maintenant on a des slimes en plus. Je suis en dessus. Sûrement du. Ah, je suppose pour recharger plus rapidement mes boules de feu, je suppose il me faut de la vitesse d'attaque, non? Non, les cooldowns. En fait, l'artificier elle marche avec des cooldowns sur toutes ses attaques en fait. D'accord. Donc, les boules de feu, en fait, tu vas les charger plus vite pour les balancer plus vite. Ah non, non, les boules de feu sont en attaque principale. En fait, non, tu vas juste les tirer plus vite, mais elles se rechargeront toujours aussi lentement. Pour ça, en fait, il faut, des trucs qui baissent les cooldowns. Mais cooldown, il n'y en a pas énormément. Il y a, en rouge, il y a l'Alien Head,
25% de cooldown en moins par alien head. C'est pas énorme. Et après, sinon, c'est les objets lunaires. Donc, c'est avec gros bonus, mais gros malus. Donc, c'est soit le Light Flux Pauldron, qui fait ouais, deux fois moins de cooldown, mais deux fois moins de vitesse d'attaque. Soit c'est la Purity, et en vrai, chaque fois que je joue Artificier, je prends une Purity. C'est moins 1 en luck, mais moins 2 secondes de cooldown. Et sur Artificier, ça change tout. Oui, bah, tu peux spammer en fait. Ouais. Après, t'as juste moins de luck, mais du coup, ouais, faut juste éviter de prendre des items basés sur la luck. Ou sinon, avec un Leaf Clover, ça passe. Yeah. Oh, vert. Razor Warrior, je conseille. C'est juste qu'on en a pas, comme ça, ça pourrait servir ici. C'est lequel? Bon, c'est le barbelé. Moi, j'ai le nom en français. T'as ton autre coffre ici. Avec ta clé corrompue. Ah, je l'ai ouvert déjà. Ah, t'en as pas d'autre? Non, oui, il y en a qu'un. D'accord. Ah, oui, non, d'accord. Cellule, c'est. Oui, non, autant pour moi. Ouais, c'est après. Il était Krusty Box. Krusty. Oh! Oh, nice! Vas-y, prends. Quand il est sorti dans le DLC, c'était un des rouges les plus. Ils l'ont nerf depuis, mais c'était un des rouges les plus pétés du jeu. En fait, c'était juste. Avant le nerf, c'était juste. Tu peux plus avoir de debuff, en fait. D'accord. Voilà, c'est tout. C'était ultra pété. Tu peux plus avoir de debuff et t'as un petit boost de. Enfin, ça augmente un petit peu ta santé maximale. Et maintenant, ils ont changé, ouais, ça marche sur cooldown parce que c'était un peu trop pété. Puis même du coup, quand c'était des ennemis qui avaient, genre ici, les ennemis, ils peuvent très bien avoir un gilet à la fin, tu vois, ça devenait un peu trop chiant à combattre. Pouf. Lol. I'm dead. Tu t'es fait one shot? Non, deux shots, mais je sais pas trop par quoi. J'ai pas les objets rouges, boué du ciel. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va? Oh. I've been squished. Je dois faire le tour. Alors, je vais le voir, encore. Du coup, je prends les deux. Ouais, bah, vas-y. Elle est juste en bas, là, à droite. Au milieu des trucs. Ça va être un enfer. Ah oui, en sachant qu'ils ont des. Ah, mais d'accord, c'est ça qui m'a buté, j'avais pas vu. Ils ont les anneaux élémentales, là, de glace. Ouais. Donc, s'ils te font des gros dégâts, et ils font quasiment tous des gros dégâts, bah, ça proc des trucs en plus. Voilà, ça, exactement. Attention, ils peuvent arriver de trois chemins, du coup, il y en a derrière toi aussi. Là. Ouais. Là, je vais être très bien. Et du coup, juste si tu sors dans le brouillard, tu vas leur faire des dégâts un peu tous ceux qui t'entourent, donc c'est peut-être pratique. Fais gaffe à toi, toujours. Ok, alors maintenant j'ai aussi les robots, nice. Beau bordel! Ça va bien se passer, t'inquiète. Bon. Petite minute. Oh. Squid.
Bah là, faut bouger. De toute façon, tant que tu cours, tu peux pas mourir. Oui, T'as non, mais largement je assez de soins. regardais à l'avance vers où c'était. Ouais. Probablement, ouais, soit en haut. Non, je pense qu'il est C'est en haut, en c'est en haut, c'est en haut. S2. Ouais, c'est en haut. On les a pas encore fait les deux en haut. Donc c'est soit c'est juste celui-là, soit c'est celui en face. Non, c'est celui-là. Ouais, c'était vraiment en haut. Donc là, ils ont des watch, donc ils vont devenir invisibles à 25% de PV, mais. Mais bon, tu fais beaucoup d'effets donc ils vont mourir quand même. Ils seront morts avant même d'atteindre, sinon ils seront en train de mourir. Ils vont quasiment tous prendre le chemin là en serpentin vers toi, donc tu peux les allumer pendant qu'ils font le chemin. Sauf ceux qui volent. Et Aussi un peu. je sais plus quel item. Si c'est le planula, ce void, pareil à la mise à jour du DLC, ce void ils l'ont changé en fait, la façon dont il fait des dégâts. Et du coup maintenant ce void il proc plus les planulas. Parce que les planulas c'est un item qui te fait du soin flat à chaque fois que tu te prends des dégâts. Et du coup on va juste avoir un planula, ça a annulé en gros les effets du void. Et maintenant il ne proc plus. C'est dommage. À la dernière. Ça, je prends maintenant. Ou Poufézir. Ça va être le Ça, dernier je truc. prends. Ça va être le dernier. Non, Oui, prends non, pas non, ça, non, prends pas ça. c'est juste qu'il y a. Je vois, il y a des trucs à prendre rapidement. Ah, donc là, ça va être la dernière cellule. Et ils vont avoir un item rouge. Ouais, je préviens. Ok. Donc à voir s'il est trop chiant, en vrai, barre-toi. Et sinon. Ça va. Ça va, il va avoir aucun effet sur eux. C'est quoi ça du Là, coup? ils vont arriver tous par la petite pente, sauf ceux qui volent. Ça, c'est l'Aegis. C'est quand tu te soignes et alors que t'es full life, ça te donne de la barrière en fait, donc ça te donne du soin en plus. Oui, comme eux ne se soignent pas. Voilà, c'est tout. Ils n'ont pas spécialement le temps de se soigner. Non, mais même de toute façon, ils ont juste un item de régène, mais ils ont pas de soins à proprement parler. Et il n'y en a aucun qui se soigne naturellement. Du coup, tu vas pouvoir nioni les items rouges là. Le machin de glace est juste génial à placer dans ce genre de situation. Yeah. Yes. Le to be Du left coup, alone. y a plus de fog et t'as deux items rouges à choisir. C'est quoi, c'est quoi, c'est quoi, c'est quoi? Alors, la tête d'alien, on en parlait. Ouais. Ah bah ça, bah franchement, Oui, sur ça c'est je vais le vraiment. prendre dans tous les cas. Attends, en vrai, je suis en stream, je peux regarder. Ah oui, Recharge. le hook ou le Catalyst. catalyst, sous le banc de catalyst. Alors, en vrai. Je prends dans tous les cas la tête d'alien et je prends le truc de pied, hein. Au moins ça me le débloque en avance. Non, peut-être le mid-hook, je te pense. Hein. Celui du milieu. Sur le banc de catalyst, il est bien, mais bah là, en fait, là, t'as juste un item orange, et une fois que tu l'as utilisé, il ne servira plus à rien, basiquement, quoi. Donc, sur le banc de catalyst, il servira à rien. Puis ça, c'est fini, c'est bien. Et maintenant, vas-y, regarde tes cooldowns, comment ils sont? Une seconde, Enfin, en soi, il y aura 4 toujours marqué 1, secondes, mais le minimum de cooldown que tu peux avoir, minimum, c'est 0,5 secondes. Ah ok. Ce sera quand même affiché 1, Non, mais. Ah, quoi. c'est vraiment un Quoique. 1. C'est vraiment un 1. Quoique, t'as better 8, donc je sais pas si ça affiche des trucs ou pas. Non, non, c'est vraiment un 1. Ok. Donc là, ça a dû être 25%. Boing, boing. Coffre. Oh, il y a deux coffres. Il y en a un proche du vide aussi. À côté là. Non, derrière le pilier. Ah oui. Yonk.
d'autre. Du coup, le tour a été fait. Et du coup, prendre le gros portail si tu veux faire le Void Locust, le Deep Void. Donc pour celui-là. aller faire le gros boss. En soi, après le boss, on pourrait toujours le faire, mais bon, ça te fait découvrir une zone, quoi. De le Deep Void. Bah, c'est surtout que je peux essayer d'avoir le succès avec le one shot. Il y aura 18 libales. Donc là, faut pour le succès avec le one shot. Active pas, il y a des genres de portails sur la map, active-les pas pour l'instant. Ah bah non, là regarde. Il y a un Void Dévastateur là-bas, tu le one-shot, et ça devrait être bon. Là, avec Def, on les appelle les ceux qui 3000. Là, je peux le one-shot? Ouais. Voilà. Bam. Et du coup, je sais pas si ça t'a fait... Non, ça a pas l'air. Pas que ça t'a fait... pas l'air. Non. Je sais pas si le succès a plus de conditions ou si juste ils ont empêché que ça marche avec le fusil. On va tester avec un autre. Mais du coup t'as plus le fusil là. Ah bien. T'as un joli chapeau là. Et ça fait marquer Aoi dans le chat. Et du coup, ça franchement, je vais le tester. Newly Hatched Zoea. Du coup en fait ça transforme tous tes objets jaunes en Newly Hatched Zoea. Et ça te fait invoquer des amis du Void, genre des dévastateurs, des rivers et des jailers. Alors, le souci dit que c'est avec un compteur de DPS massif. Ah ouais, non, ça marche pas. Ça marche peut-être pas avec juste le fusil. Du coup, je peux le prendre l'item? Vas-y. C'est ton fusil qui a fait dropper et tout. Du coup, on va avoir des copains du Void, mais si jamais ils meurent, bah, ils sont plus copains, donc faut pas t'approcher de leur explosion. Ouais. J'arrive. Fren. Une crabe Fren. From the sea. Fish Fren. Oh. Mushroom for me. C'est quoi ça? Oh, bah vas-y. Ou quoi que. Oh, non, regarde, ils se freinent, ils se freinent. Hello. Et du coup, ça, c'est y a des portails comme ça, il y en a 4 activés. Ouais. Ça va créer une zone et en dehors de cette zone, ça va créer du brouillard comme on avait fait. Sauf que là, c'est un brouillard plus violent parce que plus tu restes dedans, plus il va te faire des dégâts. Okay. Autrement dit, tous nos drones, ils vont y passer. Comment ça va les activer? Bah, je vais fouiller un peu voir s'il y a des coffres. Enfin, je sais même plus. Ouais, non, il y a que des coffres du Void sur cette map, mais il y a des coffres. Des coffres du Void et des petits. Des Voids potentiels, là. Voilà. Ok. Ça te donne le choix entre plusieurs items normaux. J'ai des tentablobes. J'ai des tentacules. Heureusement que mon soldat est immortel. Yes. Car j'ai foncé sur le scarab, enfin sur le mob, on s'est fait emporter dans le Void. J'ai l'item de Yamete. Si la version corrompue des anneaux, je sais pas si tu le veux. Non, ça ira. On a un Fren, Calamari Fren. So cute. Je commence à lancer les... Pas de Vem. Attends, il y a encore des items ici. Comme ça. Est-ce qu'il y a pas des trucs là aussi? Ouais, encore des items là. Est-ce qu'il y a même pas les pretty déjà?
Vas-y, c'est Pretty Map. J'ai oublié que tu n'as pas souvent écouté, elle est sympa. Jolie. Il n'y a plus rien en haut. Ah, demi machin. Non, moi je suis prêt, c'est bon. Ah. J'arrive. Et voilà. Ah, du coup, small. Je suis caché dans le trou noir. D'accord. Yes. Adieu, Zorana. Oula. Voilà, bienvenue dans le void. Avec les nuits. Encore là, ça va, il y en a pas énormément. Parfois, c'est juste des crabes qui apparaissent de tous les côtés de l'arène. Et ça fait boum de partout. Ben, ça va, les crabes ne rentrent pas dans la zone. Ah, parce qu'ils sont distraits pour l'instant. Il n'y a pas plein de dévastateurs là, comme en difficulté et tout. Des explosions qui prennent toute la place de la zone. Bah, mon frère, mon garde a tué ton garde avec son explosion post-mortem. C'est vraiment pas nice là. Voilà. On en a un autre à droite. Non! Ça, c'est un item lunaire, tu sais, qui remplace ta troisième compétence là. Le truc qui te permet de disparaître dans un petit nuage là. Ça, en fait, comme ça enlève ta hitbox, bah tu peux résister à l'explosion des crabes comme ça. C'est la frère que tu m'as fait là. Il y a un ceux qui là-bas. Ceux-là ils sont chiants parce qu'ils ont une attaque un peu en fusil à pompe. Ils ont un machin en fait qui te grabe et qui t'applique un debuff en fait qui t'empêche de bouger. Et du coup bah c'est pas cool. Les Void River, les crabes les plus communs, ceux qui apparaissent, ils vont les attaquer de loin, et en fait quand tu te prends 4 de leur attaque, tu peux plus bouger. T'as le debuff qui t'empêche de bouger. Crabe. Stealing. Non, c'est des frênes. Okay. Ils sont un peu plus clairs. Encore à droite. En sachant que il y a toujours la zone qui est activée, tu te prends de plus en plus de dégâts. Hein. Donc dès que tu commences à te prendre. Parce que les dégâts ils arrivent deux fois plus souvent que tes soins de Vungus. Donc dès que tu te prends plus de la moitié de tes soins, c'est que tu vas commencer à mourir. Et ça en simulacrome. En fait, le mode simulacrome, il y a ce fog qui fait de plus en plus de dégâts un peu de partout. Donc il faut bien avoir bien la mécanique en tête. Et des baleines qui chill dans l'arrière-plan.
Et le dernier, il est de l'autre côté là-bas. Ouais. Tu peux passer par là. Il est devant qui était mort. Ah, tu peux plus bouger. Bon. Derrière. Ah! Il y a un jailer, une de celles qui nous empêche de bouger. Il est mort, je crois. Mais. Attends, mais c'est un ami? Mais, non. Non. C'est qui me faisait ça? Ou alors, ça... ou alors son attaque, ou alors son grab, il marche sur les alliés. Et je lui ai fait des dégâts avec mon lunaire, du coup il était vénère. Ça peut être ça. Ce serait bizarre quand même. Let's go. Ok. Du coup il y a des gros trucs là-haut qui s'activent. Crab. And scare. Crab. Food. Crab. Faut que je fasse des dégâts à mon allié. Voilà. On peut y aller. Bien. Donc là, c'est le planétarium, du coup. Ouais. Les bananes. Là. Moi, je vais juste essayer en premier. Rien de caché derrière. Non, je comprends. Donc ça, c'est. On commence directement là. Ah bah oui, oui, non. Oui. C'est... Donc ça c'est un boss en fait, là où on vient d'arriver, tu peux aussi y arriver après Mitrix, par un moyen caché et tout. Donc t'es pas obligé de passer par le Void Locus pour faire ce boss, tu peux faire les deux à la suite. Malia. Et au milieu du vide là, tu sais, t'as un petit livre de la zone. On ira le chercher après. Hein. Non, on va le chercher au début, parce que il y a trois phases. Faut le chercher dès maintenant en fait si tu peux, parce qu'après on va se barrer de cette zone en fait. Ah oui, ok, je vois. Et donc ça c'est Voidling, et il a des attaques plutôt vénères. Vite. Par contre, non, pas cool. Moi, au corps à corps pour l'instant, je peux encore faire des trucs, mais il y a des phases après où, bon, je vais un peu galérer peut-être. Qui tellement de debuffs. Hop. Attention, hein. Ça fait mal. Oui, en étant dans le laser. Ouais. Parce que moi je suis en dessous de lui tout à l'heure. Voilà, donc en dessous de lui, en vrai, pour la... en dessous de lui pour la première phase ça va, pour les autres phases vaut mieux éviter de le faire parce qu'il a des attaques qui. Il a une attaque en fait qui aspire, qui fait comme un trou noir, mais qui one shot dès que tu touches en fait. D'accord. Il fait un gros trou noir autour de lui. Mais encore ça va, là, il est facile. Non, facile, il a pas beaucoup de vie. Il est que niveau 54, alors d'habitude, ton niveau 99 quand t'arrives au boss. Donc là, il faut le suivre. Hop, hop, par là. Donc ça, c'est un Void qui fait des dégâts aussi, mais il me semble que tu fais juste des dégâts constants en fonction de la vie que t'as. Ah! Faire du parcours là. Pendant qu'il y a le saxophoniste là qui est à fond
Ah non, les dégâts ils augmentent dans ce void, mais pas hyper vite. Le saxophoniste là qui est en full saxophone. Et il y a des planètes autour. C'est pretty... Oh, il y a la Terre là-bas, j'avais jamais vu. Et il y a des ennemis qui spawnent en plus, mais des petits ennemis, c'est des méduses. Pour l'instant, il a pas fait ses attaques de sniper là, donc ça va. Il a des fusils où il tire et il s'y fait mal. Ah, ça c'est les snipers du coup. Ouais. Ça c'est le one shot facile. Alors encore là il vise assez haut mais de loin ça c'est le one shot facile ça. Oh mais il y a encore mes homards qui sont énervés contre moi parce que j'aurais fait mal là. Ouais. Je pense. Oula, oui, barre-toi. J'ai un grappin, je m'accroche au sol, bruit. Voilà. Attention. Voilà. Ça, c'est une attaque chiante. C'est pas fini là. Oh, voilà. J'ai été TP en dessous. Non, c'est... Non, mais je. La zone suivante. Non, j'ai. Une grosse baleine au fond, elle est chill. Une baleine de l'espace. Espriti. Merde. J'ai été TP direct. Con. Quel con. Attends, j'arrive, vas-y, continue, j'arrive. Donc la troisième phase, ouais, t'as vu, c'est. Donc, il y a une zone autour de lui. Une zone autour de lui où il n'y a pas de fog. Je m'actualise, stupide. Voilà. Voilà. Sniper. Franchement, là, ça va, la vie est facile. Hein. J'ai connu plus méchant. Toi, comme bien, on est toujours facile. Ouh, attends. Qui s'est fait Ah, non. What? Le laser m'est passé plein dans la gueule, je me suis rien pris. Nail Lucky. Probably. Whop. Il se barre. Voilà. Boum. T'as vu une petite marée des nénuphars? Viens, on se baigne. Yeah! Voilà, on a gagné. C'est cool. Il y a des grosses planètes, là. Oh, attends. Là-bas. Hey, look. It's the ring. Definitely not a low ring. Attends, je vois la def. Oh, du coup, TP ?
Yes. Et voilà, du coup j'ai débloqué toutes les personnes normalement. Du coup, ouais, mais si, du coup, ouais, peut-être. Bah, on a fait la machine, on a fait Et le après, il y a bug, les... et on a Ouais. fait le deuxième bug. Et après, il y a l'hérétique, mais c'est pas à débloquer, ça, c'est à faire in-game, ça. Voilà, j'ai les trois persos. La plante, le monstre et le démon. Rex. Il joue beaucoup avec la santé et le soin, enfin se faire des dégâts et se soigner. Puis c'est un gros dogo qui crache. Bon, du coup, écume. Je vais t'inviter dans le vocal. Ah, on a déjà un channel, c'est vrai. J'appelle sur l'autre groupe. Ah yes, ok. Voilà. Hello. 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 Flouf le fiche. Bon. Ça. Et bon. Bon. Ah. Bon. Oui. Voilà. Allez, plus que 1, 2, 3, 4 persos à... 5 persos à découvrir. Ah, lui, il a pas d'autres attaques du coup. Non, mais il fonctionne avec des... Enfin, in-game, il change ses attaques avec une barre de corruption et tout. D'accord. Il a deux états, en fait. Alors, on n'a pas touché le sol pendant 30 secondes. 20 compétences en 10 secondes. Lui, ça, son spécial, il est assez dur à débloquer, mais franchement, il vaut la peine. Terminer le défi prismatique sans que vos PV ne descendent en dessous de 100%. Faut pas te prendre de dégâts, ou alors si t'as de la barrière, ça va, tu peux te prendre des dégâts. Oh, mais Bon, déjà faut cette faire. semaine, alors c'est impossible. Parce que Bah, pourquoi? les PV sont à 10% constant. Oui, non, mais là, ça. Enfin, je veux dire, c'est. Faut pas te prendre. Non, je veux dire, là, ça compte pas. Juste si c'est un artefact qui baisse ta vie, ça compte pas. Tu peux quand même. Faut juste pas te prendre de dégâts en plus, quand même. Artefact de glace, ouais. Ouais, cette semaine c'est impossible. Bah du coup semaine, enfin vraiment Non, mais j'attends si, toujours que si, ça. si. Glace, ça change pas le fait. Tu pourras quand même le faire. Ouais, enfin je t'assure que ça reste quand même compliqué ce défi en soi. Bah, il est un peu compliqué, mais en vrai, ça va. Bah, en fait, faut juste voir si la seed elle est bonne et tout, s'il n'y a pas trop d'ennemis chiants.
Puisque, parce qu'en fait, ce mode de jeu, il est seedé, en fait, ce sera toujours la même chose si tu le refais à chaque semaine. Je sais. Et du coup, bah, faut juste prendre une semaine où il y a commande, où il n'y a pas trop d'ennemis chiants, et puis ça va. Déjà 30 secondes dans les airs et 20 compétences en moins de 10 secondes. Je sais pas quoi jouer avec lui. Alors, je vais mettre full tank. Voilà. Ouais, quoi que. Ouais. Allez, un peu de chasseuse pour se détendre. Un robot. Bip bip boop. Oh, c'est quoi ça? C'est la version corrompue des triptyques, des couteaux. Mmh. Je peux le prendre si tu veux pas en vrai. Tu veux ou pas? Je sais plus ce qui fait la version corrompue de ce truc. C'est que t'affiches des collapses en fait, et collapses, c'est ça en fait, ça va faire des. Si tu peux les cumuler, ça va faire un certain nombre de dégâts à l'ennemi au bout de 3 secondes, ça va exploser en fait. Et tu feras plus de saignement. Mmh. Donc c'est mieux sur les petits mobs, mais c'est pas super ouf si tu fais plein de coups énormément sur des gros boss, late game. Mais comme là, la chasseuse, c'est pas vraiment son truc, ça, les gros coups. Ouais, bah tu peux prendre en vrai. C'est une fameuse. Enfin, plein de coups. Ouais. Par contre, j'aimerais essayer de faire le truc des pieds de biche, donc si vous en trouvez, dites-le moi. Ok. Parce que 12 pieds de biche, c'est chiant à trouver. Oh, nice. Le portail. Yes. Bon, on fait comme d'abord. Il y a un BFG si quelqu'un veut. BFG, c'est quoi déjà? C'est, enfin, ça s'appelle le pré-en accumulateur, mais ça marche comme le BFG dans Doom. Mmh. Si tu veux, fais là en vrai, tu peux. Des pieds de biche. Je suis pas contre le pistolet.
Or, ça fait déjà 3 pieds de biche. Bien. Mais j'ai trouvé un imprimante 3 des pieds de biche. C'est cool. Nice. Ah, tiens, Phila ou Écume, on est pour ça parce que cet item je l'ai déjà et vaut mieux qu'on en ait au moins un chacun. Ce sera plus puissant. Ça nous larguera des casses, une casse chacun à chaque niveau. De formulaire de demande, j'en ai déjà un aussi. Ah bah nickel. Nickel. Ça, on aura 3 drop pods. Ouh, Kulele. Yomp. Et un cumul si tu veux des scraps blancs pour des pieds de biche en vrai. Ah bah, ah bon. Oui. Je t'ai marché, je l'ai pris, je l'ai mangé. Yes. Piou, tiens, je te l'offre. Alors, j'adore l'objet, mais bah, j'ai déjà mon pistolet. Bah, vas-y, Scar, si tu le veux. Si tu veux, je prends. Moi. Bien, ça soigne. En vrai, écume, hein, tu peux prendre si tu veux le machin en bois là-bas. Le machin en bois. Le comme t'as pas déjà de orange, c'est toujours ça de bon. Ah, c'est le truc de soin. Ouais. Yes. Oui, plein de petits drones. D'ailleurs, c'est le Talkie Walkie, si tu le donnes à un drone d'équipement, il peut lui-même inviter des drones. Ouais, ça va. Ça, c'est bien. Ça. Et 6, j'en profite. Mais j'en suis même pas à la moitié. Si, j'en suis tout juste à la moitié. Qu'est-ce que je rencontre, moi? Je sais plus compter. Ah, noodle cerveau d'erg. Noodle. Bon, bah, je vais aller voir ce qu'il y a là-yo. Météorite luisante. Ah, vas-y, vas-y. Armageddon. Bah ouais, bah ouais. Ok. Allez, tu le prends, tu l'actives et tu reprends ton pistolet. Ah, trop loin. Armageddon, let's go. C'est rigolo. Bon, ils me font même pas, ils me font 3 de dégâts, ça va. Nul. 18 en fait, non, ça va. Ah, par contre, tes effets, ils marchent sur tes météorites. Genre, tu peux nous faire saigner, du coup, vu que t'as les couteaux. Ouais, j'ai cru voir ça, vu que je faisais des dégâts. Nul, c'était moi. Ça va. Et me tank. Bah, je viens de faire le tour niveau hauteur et il n'y a pas l'air d'avoir grand chose de plus. Je crois qu'on a un peu tout fait. Hein. Rui. Déjà, ouais, pour les 12 crowbars, ça commence bien avec 6 en vrai. Stage 1, ça va. Ça régalade. Bah, attends. Il est où le scrapper? Il y en a plusieurs, il y en a à l'entrée des grottes, je sais pas où je ping en fait. Si, il y en a à l'entrée des grottes là-bas, juste en dessous là, et un autre ailleurs, je sais plus où. Ouais, il y en a un autre là-bas je crois, si je dis pas de bêtises. Mais enfin, là-bas c'est sûr, il y en a un. Il y en a ici.
ton truc écume pour les pieds de biche. Je crois qu'il est de l'autre côté là-bas. Non, j'essaye de le retrouver. Bon. C'est quoi ça? Ah, il y a une imprimante à lunettes. Ah merde. C'est bon ça, les imprimantes à lunettes. Ouais, en vrai. Là. Mii. Ah mais c'est toujours un prix. Vas-y pour ma part. Oh, le fait de pas être ralenti quand tu tires, c'est un plaisir. Et bah toi. Par contre, j'ai pas compris cette histoire de devoir tuer un mob avec tous les tics d'un glaive. De quoi? Pour le deuxième succès de la... Je sais plus par cœur. Bah je crois que c'est juste... Ah mais c'est juste qu'il faut achever le mob avec un couteau peut-être non? C'est quoi les termes exacts déjà? Tuer un boss en utilisant tous les tics de dégâts d'un glaive. Ouais, bah, je pense que c'est... You know, je sais plus exactement. Bah, je crois que c'est juste qu'il faut peut-être l'achever avec les dégâts de saignement et pas juste les attaques, tu vois. Peut-être ça. Oh, des plumes. Donc on a deux plumes chacun ou alors il y a quelqu'un qui prend une plume. Et le Titanic Nerl là. Quoi? Et on a deux plumes chacun, deux objets chacun. Là. Ça va être la récupération. Donc ça, qui c'est qui prend ça? Peut-être Écume? Ah, moi je m'en fous de la régène. Ou Phila? Non, peut-être Phila, lui. Tu étais au corps à corps du coup, donc c'est peut-être ouais. Lui. Et du coup, tu prends la deuxième plume, Écume, si tu veux. Surtout comme ça, j'ai déjà un double saut de base, donc... M'abuse. Ah, moi j'ai quadruple saut! Ah oui, j'ai le triple ouais. Saut des plumes et après j'ai encore mon R. Ah ouais. C'est double saut, dash, dash, dash. Ah, t'as le premier R. De toute façon, ouais, Phila, à partir d'un moment, tu ne vas plus toucher le sol. Tu ne vas plus connaître ce que c'est le sol. Ouais, j'en doute pas. Hein. Dash du mercenaire, en vrai, je préfère le deuxième. Même si le premier est sympa, mais à chaque fois, il faut passer dans des ennemis. Donc. Et voilà! Un magnon. Il y a moyen d'avoir l'info de... Enfin, ici, il y a moyen d'avoir un petit rappel d'objet pour savoir lequel c'est qui divise les timers de compétences par deux, je veux bien. Divise les compétences timers par deux. C'est le Light Flux Pauldron, un petit genre de petit triangle recourbé avec des plumes qui est blanc. Je vais faire cycler si tu veux les trucs, parce que j'ai une pièce. Là, il n'y est pas. C'est le deuxième, là. Ouais. Par contre, ça divise aussi ton attaque speed par deux. Donc, avec mercenaire, honnêtement, je te conseille vraiment à Purity. Je trouve le Purity vraiment OP avec. Lequel? Le deuxième, la boule de pique. Voilà, c'est juste, t'auras, bah, du coup, tes saignements, t'en auras beaucoup moins. Et c'est tout, pour l'instant. Et tes critiques, mais. Franchement, honnêtement. Et là, du coup, là, normalement, t'as l'attaque secondaire de base. Non, l'attaque secondaire. Ouais, vas-y, saute. Saute, vas-y saute, et ensuite fais l'attaque, et là t'as un hélicoptère, voilà. Hélicoptère. Voilà, le sol n'existe plus pour toi. Hélicoptère. Voilà, merci, c'est bon. J'ai... Flash of Blade. Maintenant il reste plus qu'à faire pendant 30 secondes dans les airs, et... Et ça fait deux compétences débloquées.
Non, pas le marchand. Il va nous virer. Non mais j'oubliais que c'était des attaques auto-guidées, je voulais viser Fifi mais mes flèches sont parties sur ce truc. Et c'est toi qui l'attaques maintenant. Voilà, on va nous virer. Ça fait clairement pas assez de dégâts encore. Pour le buter. On peut pas le tuer de toute façon. Si si, on peut le tuer. Juste il a énormément trop de vie. Quand tu le tues, en fait, après il se passe rien, son modèle il est toujours là, c'est juste que lui il est plus physiquement là, mais en fait il se passe rien. Et quand tu le tues avec les lunettes qui one-shot des ennemis, ça le fait juste disparaître en fait. Mais ça change rien en fait, c'est juste. Il n'y a même pas de succès, je suis triste. Non. Mais faut pas tuer les gentils en même temps, c'est pas bien. Bah on peut y aller, oui, je pense. Oui. Moi aussi, du coup, j'ai quadruple saut parce que j'ai deux plumes, le saut, et je peux me propulser avec double. Mais double après, recul. Moi j'ai encore le flash. Double recul. Ouais, mais moi j'ai une voiture comme ça. Hop. Voilà. Oh non. Il y a des chiens du void. Ça fait quoi ce truc violet? C'est mauvais. Ça fait des dégâts à cette zone. Il faut buter tous les ennemis du void qui sont là pour la désactiver. C'est des trucs qui apparaissent aléatoirement avec le DLC. C'est pour ça que je connais pas, j'ai pas DLC. Ah mais du coup tu peux jouer avec quelqu'un qui a le DLC, ça le débloque. Bien ça. Et je suis freeze. Et plus tu restes dans la zone, plus elle te fera de dégâts aussi. C'est ce void. Point d'interrogation ou des balles. Les balles c'est plus de dégâts sur le boss et le point d'interrogation c'est pas. Ça j'ai absolument aucun intérêt à le prendre, mais si vous ça aimez. Fait quoi ça te donne un R en plus. Voilà, et ça corrompt tous tes fuels ça. Moi ça peut être fun, mais Fifi on en a peut-être plus besoin avec son Omni Slash. Parce que. Ah ouais, c'est le premier R du mercenaire, si honnêtement. Ça vaut largement le coup qu'elle le prenne. Franchement, ouais. Ah bon? C'est quoi dedans? Ah, c'est toi qui l'as ouvert, c'est toi qui ouvre, non? Oui. Il y a la patte de faune, effet d'artifice sous la fleur. Donc, si tu veux en vrai la patte de faune, tu peux. C'est bien les prêtes. Non, il y a la musique qui est trop bien. Des fungus. Bestie fungus. Meilleur item. Oui. Je vole. Oui. J'adore cette musique. Ouais, c'est une machine à quoi? Attends, il est quelle heure là? 17h36, bref. Parce que j'ai raclette ce soir, faudra pas que je loupe. T'as raclette? Yes. What? Oui, t'as un pied de biscuit à toi. Cristal de concentration, c'est pourquoi déjà? C'est plus de dégâts pour les ennemis pas loin. Donc laisse affiler. Kiffy, amuse-toi. 20% de dégâts en plus. Objet random. Imprimant ta répulsion d'armor plate, ça prend, c'est très bon ça. Green. Je vais chialer. Ah non, c'est bon, je vais pas chialer. Oh, une crowbar. Miam. Oh, un rouge. Oh, bah, je le prends. Franchement. Cartouchière, je prends. Franchement, yonk. Non, j'ai un gros marteau. Les ennemis n'ont qu'à bien se tenir, parce que je vais squish. Squillash. Squish. Je peux invoquer un friend dans goût maintenant. Je suis à 8 crowbars, plus que 4. Boing. Je boing. J'ai des bons items. Il n'y a pas de méchant à tuer. Comment je fais des sous s'il n'y a pas de méchant? Bah, faut faire mieux. Il y a un hôtel à suicide quelque part.
J'ai même pas vu. J'ai utilisé un hôtel qui offre un truc corrompu là. Le harpon, c'est bien pour qui déjà? Moi j'aime pas, donc pour moi c'est pas bien, mais... Je crois que tu l'aimes bien, non? Ça va. Bah tiens, si t'en veux un, vas-y. J'arrive. Si vous voulez des items, j'en laisse. Niam l'item. C'est mon gros marteau, là. Non, plus de dégâts, je prends. J'aime les dégâts. Non, mais c'est que des dégâts sur les boss, donc c'est pas ouf en vrai. Non, il y a un coffre, il est dans le rocher, mais il est... Ah non, j'ai pas de thune, non, j'arrive. Là, je te l'ouvre. J'ai cru que je pouvais pas le prendre. Boué, l'item, il est caché, boué. C'est quoi, Monster Tooth? Ouais, c'est pour toi, c'est mieux. C'est des quoi, ça? Des cachets d'aspirine. Des quoi? Ah, si tu veux, écume, peut-être, ce sera peut-être bien pour toi. Une imprimante à canette. C'est toujours cool, les canettes. Si tu demandes à Def... En vrai, en ce moment, je le saoule plus avec les Bungus récemment qu'avec les canettes, mais... Quand j'ai commencé à jouer, juste les canettes, mais ils me donnent tout, en fait. Ah, il y a un scrapper là-bas. Let's go, les canettes. Canettes, go, brrr. Y'a pas un scrapper quelque part pour les canettes? Là. Juste là. Moi j'ai mon incinérateur. Youp! J'ai pas de crowd control. Si j'ai envie de plus aller un peu. Voyons voir, alors c'est ce qui est pas très utile. Les autres blancs ils sont plus utiles. J'aurais qu'une seule canette, c'est vrai. Ça, je m'en fous. Quoique je joue tank en vrai, je vais pas prendre une canette, je vais prendre une armor plate. Les pales, je m'en fous en fait. C'est mieux d'avoir des dégâts globaux que des dégâts contre les boss. Yes. Donc voilà, j'ai deux canettes. En dessous de 8, c'est pas assez. Mais ça te propulse déjà tellement vite, juste 3 canettes. Ah, moi c'est 6-8, je suis bien. Yes. Je peux en faire une deuxième canette. Le mieux de ses prix. Je me scrappe. Non, j'ai pas de canette du tout. Je vais en prendre une. Clé. Yeah. C'est bien les montres ou il vaut mieux les scrap? Moi je les scrap, mais après c'est 20% de dégâts en plus, mais quand tu es à un quart de ta vie, elles se détruisent toutes. Donc perso je les scrap en fait, parce qu'après ça... Je peux les perdre quoi. Voilà, comme ça je suis à 4 canettes. Je vais go to go fast. Emery. Go to go fast, too fast. Le ça va Fifi, tu t'amuses, tu voles? Ouais. Les filles là en full hélicoptère là. Qui là, elle a cru qu'elle s'appelait Tails maintenant. Oui. Je fais que passer, bip bip. Il y a un scrapper là-bas aussi. Bankrupt.
Il est radin, lui, je lui ai déjà donné 4 fois de les thunes et il donne rien. Et là, il est à 400. Bing bankrupt. Radin! On retournera après, Pierre. Ah, au début de game, il vaut mieux faire avant, parce qu'après, pas sûr d'avoir assez de fric, si jamais il refuse quelques fois encore. Ah non, mais justement, on le fera après avoir tué le boss. Ouais, justement. Après, il y aura plus d'ennemis, du coup, on pourra plus faire de thunes. Ah. Et si... s'il est encore radin, bah on aura plus de thunes. En late game, ça peut marcher, parce qu'on a énormément de thunes de fou, mais là, je suis pas sûr. Gotta go fast! Je vais voir, je vais essayer avec ma thune. Ah, c'est bon. Oh, seringue! C'est ça que je prends. Comme ça, je vais être encore plus débile au corps à corps. En vrai, après, du coup, ça ralentit un peu l'hélicoptère parce que là, ton coup d'hélicoptère, tu le fais trop vite et du coup, il y a plus de cooldown que de trucs. Et du coup, c'est moins rigolo. Je suis là. Gotta go fast. Oh, ah non. Plus boss. Ah, j'ai cru. Non, c'est bon. Un anneau de feu chacun. J'ai cru que c'était ATG, mais non. Go fast! Moi j'ai mon item en rouge. Non, ça c'est le vide. Boy. Boy. Wing, 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 look. Là-haut, regarde celui-là. Là-haut, il peut y avoir un emplacement juste au-dessus de cette plaque. Il peut y avoir un emplacement de spawn du Newt. Voilà, il était en bas, mais on peut y arriver qu'il soit là-haut. C'est un chrono tout. Hélicoptère, hélicoptère. Par contre, c'est moi ou le flash de la chasseuse, il va de plus en plus loin au fur et à mesure que j'ai de plus de vitesse. Oui, c'est ça. Plus t'as de vitesse, plus il va loin. Et si tu cours, il ira plus loin que juste si tu marches. Non, parce que là, je vois avec 4 canettes, je traverse la map en un dash. Enfin, je traverse un des carrés là. Alors comment, je faisais même pas la moitié, là, je traverse un carré de la map. Attends, merde. Mais. Ah, moi je suis ready du coup, si vous êtes prêts. Je sais. On peut y aller. Let's go! Non! Oh. Oh. Oui. Non! Pas touche.
pas faire mal au marchand. Renouvir. Ah, on se fait le. On se fait le l'Aurélionite. Yeah. Si tu veux. Est-ce qu'ils aiment bien prendre là? Ah ouais. Un petit stone flux pole run là. C'est l'item qui te ralentit là. Ah oui, c'est cool. Oh, en vrai. Ça fait quoi déjà ces trucs? Ça, c'est ça. Ouais. Hey, freine. Ça divise par. Ça divise par. Ouais, évite de cycler les trucs là-bas parce que c'est... ça coûte de plein plus cher. Ça, je peux le faire si tu veux. Mais j'en ai plein aussi. J'en ai 30. Non, mais j'en ai 140 000. Mais. Mais ouais, du coup. Le rechargement d'équipement, mais sauf qu'il s'active automatiquement. Voilà, c'est ça. Et du coup, j'ai un freine. Freine. Il se pretty, hein. Il se black. Is a friend of goo. Oh yes, Phila. Oui. Est-ce que je prends l'item qui ralentit là? Elle sert à quoi déjà ce truc? Ça remplace ton attaque secondaire par un truc de une attaque de l'hérétique. C'est un oui, non, elles sont nulles. Bah non, c'est pas nul. Si, en plus, l'attaque secondaire, franchement, elle est super cool. Je te fais peut-être pas. Allez, ta vitesse. C'est pas la mienne. Oui, oui. Pour l'instant, j'ai pas assez de canettes. Moi, je sais clairement que je prendrais pas. Hein. En late game, franchement, je me suis déjà fait des parties où à la fin, j'en avais 3 ou 4 à chaque fois et tout. C'est toujours bien. Parce qu'au moins, ça t'évite d'aller à des vitesses trop élevées et ça te rend tranquille. Dis le gars qui veut jouer avec 8 canettes minimum pour aller vite. Bah ouais, mais là, je suis un jeu de tank, regarde. Je suis rapide. En mode tank. Au revoir. Chrome. Et t'as un marteau. Un gros marteau là. Une freine. Oui. Bon. Vroom. Trotte vitesse. Oh, une caisse. Pièce. Il y a 4 caisses sur cette map, toujours, elles apparaissent toujours au même endroit. Et. Bah, let's go, prendre un item chacun, plus un item. Et vous savez tous les deux comment marche du coup les piliers du boss là. Il faut du pognon, faut activer les piliers, puis yes. Casser la gueule au boss. Voilà, mais du coup, on peut activer 3 piliers et au 4ème il commencera à apparaître, mais du coup, au 4ème faut être sûr d'avoir assez de thunes pour acheter les autres. Ça intéresse quelqu'un, déchets régénérants? Je me scrap, ouais, carrément. Il y a des fireworks ici, si vous voulez fireworks ici. Moi, je suis plus intéressé par des blancs pour pouvoir faire après des crowbars. Bah, vas-y, va prendre. J'aime les crowbars. Je suis pas femme, ouais. Moi, c'est bon pour ceux, c'est pour mon succès. Ouais, TG, Phila, boue, je vais pleurer. C'est pour moi, boue. C'est la version. Corrompu. Je suis allé quand même, oui. Notre va, c'est le tel. Moi je suis du 8, plein de 8. Boué. Pas assez de puits en plus. Oh, il me manque une pièce d'or, voilà. Oh, yonk. Crowd control. Donc vaut mieux. Mais il a trouvé du diesel, c'est rare ça. Vaut mieux commencer du coup à acheter les piliers qui sont plus loin du boss. Parce que le boss il apparaîtra là. Parce que moi on n'aura pas à faire tout le chemin. Go fast. Hein? Là j'ai pas assez pour acheter beaucoup de piliers. Là j'ai de quoi en acheter 2. Bah tu peux en acheter 2 si tu veux, mais après faudra pas en acheter plus. Faudra attendre d'avoir. J'en ai déjà acheté 1, donc fais gaffe. Ouais justement tu peux en acheter 2 encore. Ah. Ça, faut attendre d'avoir de la thune pour acheter le reste. Quoi. On fait du pognon. De toute façon je vais tanker. Attends. Voilà, du coup, j'ai assez pour en acheter 2 et je suis pas loin de 2, donc si jamais vous achetez 2. Je peux en acheter 2 aussi. Bah, let's go. Achète celui de là-bas. Attends, j'achète celui-là. Celui-là. Parti. Et voilà, 10 du boss. Du coup,
Là, qui c'est qui stack? Parce que soit on stack, soit on prend un item chacun, mais ça changera pas grand-chose. Comme tu veux, tu choisis. Bah, ça va vous dire, parce que si on stack les items, notre Rail Unit allié, il aura plus de stats, enfin de meilleures stats. Et si on prend un item chacun, c'est comme ça on pourra recycler si on tombe sur des imprimantes jaunes. Comme vous voulez. Moi, je vous propose de les stacker. Fifi, tu stack. Ok. C'est ton live, c'est toi qui stack. Ah, attends, avant de prendre le portail aussi. Vas-y. Tant grand. Ah, allez, allez tout là-haut, là-bas. Non, ça c'est moi que je ping. Ah, de me pinguer moi-même. Pourquoi tu veux qu'on aille là-haut? Bah, parce que. Le plus haut possible. Je sais ce que ça fait. Yes. Hmm? Parce que si tu vas trop haut, après ça te retépe en bas, mais si tu vas pile assez haut, bah. Je sais pas c'est quoi la hauteur maximale du coup. Je crois que tu peux aller encore plus haut là, puis là, de ah moins oui, non, de mais 2 je sais que... Bon, l'hauteur maximale est pas loin. Ah oui, d'accord, ok, il est là. Yeah. Ah, d'accord, c'était pour le journal, ok. Ouais. Et en gros, tu peux pas dépasser le deuxième fer. Regarde, quand tu attaques, c'est carrière à dégrasse, redrada. Frame. With the frame. We jump. Jump with the frame. Oui. Je vais me déplacer sans me déplacer. Pareil. La clique. Vroom. Orange dans le truc. Bah, il y a un drone à équipement, donc si vous lui donnez un truc d'attaque. Est-ce que je vais donner mon laser? BFG, franchement, ouais, tu pourrais donner BFG parce qu'il l'utilisera plus souvent que toi, il a moins de cooldown. D'accord. Bon. Truc à moitié ouvert. Oh! Il y a un drop pod avec un objet rouge inconnu là. J'ai déjà un rouge. Vas-y, prends. Ah bah le marteau, vas-y. Attends, peut-être il laisse-le avec Hume. Parce qu'il faut faire 5 coups rapides sur un ennemi pour l'appliquer le debuff. Et moi quoi, j'ai déjà. C'est le gros marteau. Il monte pas de tout. Ah bah crowbar en plus. J'ai pris le marteau. Mais viens prendre le crowbar. Oui. C'est for you. J'en suis à 9. Donc le marteau, quand tu donnes 5 coups rapides sur un ennemi, ça va le faire une grosse perte d'armure. Il va se prendre plus de dégâts. Et il y a une Krusty ouais. Box. Ah, j'en ai une Krusty Box. Oui, il y a une boîte rouillée. Ouais, donc, en fait, c'est une Rusty Box, ah. Sauf qu'avec Def, du coup, on appelle ça des Krusty Box. Oui, j'ai une clé, j'arrive. Oui, non, moi, c'était à la game d'avant où j'en avais 3. Encore un bracelet à feu, qui veut? Non, c'est bon. Oh. Comme ça, j'en ai un de chaque. Maintenant je prends ça. Hop. Ah bah tiens, hop. Du gazole. Il n'y a personne à tuer sur cette map. Pas vraiment. En facile, il y a très peu de spawn. Là, il va avoir le corrompu, c'est parfait.
Je veux des crowbars, il m'en manque 3. Comme ça, je pourrais encore plus one-shot les mobs. Je vous ai laissé une plaque d'armure. Non, les multimissiles, il est cool. Le lance-missile de récupération, il est drôle, enfin jetable. Oui, mais tu le veux ? Pas spécialement. Et toi ? Moi, non. Non, clairement, moi, je m'en souviens que je fais des critiques quoi qu'il arrive. Vous êtes passé en dessous dans les tunnels ? Encore. J'ai vu le portail vite fait, mais je suis pas plus. Ah oui, il est dessous le portail. Je suis pas placé plus que ça. D'accord. Bon, bah attends, tu sais quoi? On va aller acheter le lance-missile. Il y a un drone qui prend un équipement. Yeah, c'est vrai, il y a pas mal de drones qui prennent. Il y a des scrappers ici, je me souviens plus. J'en ai pas vu. Okay. Oh, t'as des missiles maintenant. Je vais invoquer des tentacules. Hop. Je veux des crowbars. Le vrume. Pareil. J'ai 2 Krusty Kli pour le prochain niveau. Ok, bah c'est pour les 2 prochains du coup. Aïnir. Let's go. Il y en a peut-être qui sont... Ouais, il y en a qui sont apparus au-dessus, je pense. Voilà. Ça, c'est mort. Ouais, il y en a juste... Oh, il y en a juste un au-dessus. C'est encore des anneaux. Oui. Ouais. Bon, un anneau de feu chacun. Et qu'une telle pièce. Et j'ai plein de pièces. Bien. J'en ai 33. Je prends. Moi, je prends-les. Elles sont où? J'ai pas où. Au-dessus, c'est le ping à l'entrée de la grotte. Ah non, elle est ouais, de ce côté. Mais si tu crois que je regarde.
C'est la guerre. Qu'est-ce qu'il tient? Rien de net. La lumière. Tout moche lumière. Shroom. Lumos Maxima. Shrooms. Mushroom. Mushroom. J'ai pas de mushroom dans mon inventaire, y'a un problème. Si t'en as. Mais non, mais si j'ai pas de mushroom dans mon inventaire, y'a un problème. Ah. Mushroom. Mushroom. C'est Scar qui a pas de mushroom. Goose sack. The goose sack. Let's go in the sack. Yep. Goose sack. Moi je suis pro Bungus, je dois vraiment être un des rares gens qui aiment les Bungus, même hors ingénieur. Demande à Def, tu verras. Vous êtes prêts? Oui. Oui, oui. Ya! 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 Bon, bah, c'est 10 minutes que je suis à AFK. Est-ce qu'il y a des nouvelles de fromage sur WhatsApp là? Ah! Merci. Ah! Ah! C'est Denis qui vient me prévenir qu'il y a des nouvelles pour le fromage. Ah! Mushroom. Mushroom. Après, si vous voulez les dixièmes lunaires, vous me dites, hein. Mais... Je les connais plus, donc. Bah là, le domino, c'est 5% d'items lunaires en plus sur tous les items qui apparaissent, donc je ne sais pas, parce que... Et ça, ça va invoquer des mobs à chaque fois que tu utilises un shrine. Ça, On s'en fout un peu, non? Bon, c'est juste c'est le seul effet, donc c'est pas vraiment bonus ni malus. C'est, voilà. Ça transforme tous les trucs en hôtel de combat. Moi, je suis prêt. Moi aussi, mushroom. We're rich. We're rich. Mais je crois que Fifi a trouvé sa classe, hein, l'hélicoptère à l'infini. Hélicoptère. Ça va pas marcher, d'accord. Mais il est cassé. Crowbar? Non. Voilà. Du coup, ouais, là, sur cette map, si on, si on bat le... J'ai déjà des aiguilles, je prends. Je stack. Si on bat le boss caché, on aura un item rouge chacun. Plus de vitesse! Vroom! Il y a une crusty box ici. J'arrive! Ah, il y en a une autre ici. Ah, les deux sont pas loin. Mushroom. Putain, elle est où la deuxième? Elle est dehors. Dans le machin, la deuxième, du coup. Mais la deuxième, tu peux la laisser à Phila. Mais c'est Phila qui a pris la première. Ah, bah voilà, du coup. Ah bah non, du coup, bah ouais, la deuxième. Chronobulle, ça fait quoi, déjà? C'est quand tu touches... Merde, tiens. Quand tu touches un ennemi, il est ralenti. Et c'est un effet, c'est un debuff. Non, j'ai vu la déchet passer, je l'ai pas eu. I'm gonna chial again. Bah, si vous avez un équipement à donner à un drone, il y a un drone tout en haut. Je pas sur moi. Tu veux des crowbars? Faut casser les œufs là. Ça y est, le boss caché. Tu t'en tues le boss. Il y en a des rouges.
C'est moi ou on vient d'activer trois portails? Enfin, trois... Non, c'est des mountains. Oui, des mountains. Ouais, ben on aura deux, du coup. J'en ai activé deux et Fifi en a activé un. Bah, trois. Bah, plus d'items, hein. Mushroom. Ça fera, ouais, quatre items chacun, à la fin. Il y a une plus grande chance d'avoir des jaunes. Attention, Denis Brunhart, bientôt. J'entends un notif sur PC et ensuite elle arrive. Ah ! Voilà, sur portable. S'il y a quelqu'un qui veut des sous. Non, les sous, je pense qu'on les fait assez rapidement en combat. Que... Ah ! Imprimante à. Imprimante ta Titanic Nurl, là, le truc qui augmente ta régène et ta vie. Si Phila t'en veut, tu peux en prendre deux, comme ça tu auras toujours les réunionites et deux Titanic Nurl en plus. Ukulélé. Ouais. Ça va, c'est chill. Ah, ça m'en fait trois du coup. T'as coupé 3, mais nickel. Une fois, je crois que j'avais pris un Shrine of Order et tout, je m'étais retrouvé avec 8 Titanic Nurl, ça allait super vite la région. Voilà, un rouge chacun au milieu de la map. Et c'est plante de bureau, plante interstellaire de bureau. Alors, plein de zones de soins. Ah, oh, nice! Small plot. Is a plot. Ni de crowbar. Vous avez pas vu de scrapper? Ah oui, non, t'en as déjà un sur toi, bon bah attends. Je vais donner l'autre Sigmarank à l'autre au drone que j'ai croisé. Et il y a deux drones d'équipement du coup qui traînent dans la map. Il en reste plus qu'un. Tiens, Phila, focus convergence. Non, focus cristal en plus, c'est ce que je dis. Oh oui, il y a un scrapper. Demandez à un distributeur de soudac curatif. Oh, il y a un scrapper ici. J'ai une distributeur à canette. Ah yes. You got the phone, to have the canette. More canette. Oh, un coffre camouflé. Puis ça soigne oui, jusqu'à... Oui, trop barre, plus que deux. Ça soigne jusqu'à 3 alliés les canettes quand on l'achète. Et ça proc les feux d'artifice. Ça proc les feux d'artifice aussi, c'est marrant. Coffre. Je les connaissais pas, les coffres cachés, par contre, c'est cool. Ouais, ils sont assez rares. Mais... Encore un défi de la montagne. Yeah. Encore ? Mais j'en ai activé un de plus. On va avoir beaucoup d'amis. On va faire plus d'items, surtout. On va surtout être noyé sous les boss. Ouais, non, c'est facile, t'inquiète. Si quelqu'un veut un full sale. J'ai pas dit que ça allait être difficile, j'ai dit qu'on allait noyer de dessous, il va y avoir 8 ou 9 boss. Mais après, en fait, ça augmente un peu la difficulté entre guillemets du boss. Donc, certes, ça va en faire plus. Mais au-delà d'un certain nombre de Shrine of Mountain, ça peut aussi juste invoquer des boss qui apparaissent que plus tard que quand il y a des hautes difficultés, genre les Overloading Worm, par exemple. Ah, raté! Tombé! Les gros lambriques de foudre là. J'arrête pour ma part. Attends. Je suis à 6 canettes. Je vais chercher le Newt. Il est là-bas. Il est juste là, le Newt. Normalement, j'ai assez de plumes pour y aller. C'est bon. Ready. Mais il y a un fuel cell qui traîne quelque part si quelqu'un veut. Je suis la vitesse.
Pour une fois que je peux battre Fifi à la course. Je vais finir cette game et après j'irai, je pense. Canette. Il y a buy de canette. Bon, bah, du coup, vous êtes prêts? Ouais, vous êtes prêts du coup? Oui. C'est la guerre. Restez pas proche du téléporteur du coup quand il y aura, parce qu'après il va y avoir plein d'items qui vont popper. On va se les départager. Des lasso. Je vais chialer, c'est que des lasso. Du coup, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je sais pas en fait. Bah, quelqu'un prend le jaune si vous voulez. En vrai, le jaune, si tu le veux pas, je le prends et je vais le recycler là-bas vu qu'il y a une imprimante jaune. C'est quoi la boucle de genèse? C'est nul. C'est, en fait, c'est quand t'arrives à 25% de PV au moins, tu vas créer une grosse zone comme les méduses, ça va exploser. Mais bon, pour arriver à survivre une fois que t'es low life, machin, c'est... Je crois que pas souvent. Donc à moins que l'un d'entre vous le veuille, bah je le prends. Non, pas du tout. Ok. Et il y a un autre item jaune en fait dans le champ. Ah ouais, en face. Ah bah du coup si tu le veux, tu peux le prendre. Et tu peux aller le recycler parce qu'il y a une imprimante jaune à un truc qui augmente ta vie et ta région dessus. Du coup je vais prendre 4 lasso et je vais les recycler 4. Ça. Et je vais prendre combien là au total. Il reste 8 lasso, donc Ekin, tu peux en prendre 4. Il en restera 4. Et comme nous, on a pris un item en plus. Ouais, je sais pas. Bah, il reste encore un truc de genèse là. Prends-le si tu veux, du coup. Fais avec Hume. Mais Fifi, tu le veux pas? Non, non. Très peu de chance que je. Non, mais du coup, si tu veux, tu peux le prendre. Pour recycler et avoir de la vie. Là-bas, il y a une imprimante. Bah, tu peux le prendre du coup, Ekin, si tu veux. Oui, parce qu'elle a déjà des. J'en ai déjà 3. D'accord, et elle est où l'imprimante du coup? Elle est à l'arrière du gros vaisseau, à l'intérieur là-bas. Il vous reste un fouet chacun à prendre. D'accord, un fouet. Et du coup, je vais les recycler, comme ça fera un item rouge. Voilà. Parce que 5 fouets en plus, c'est 10 canettes. Mais ça part dès que tu attaques. Voilà. Youh! Bah, je crois que j'ai ramassé un fouet en allant trop vite. Non, ah, bah, c'était le tien, c'était le tien. Et du coup, si tu les veux pas, tu peux les recycler, mais si tu les veux, bah, tu les gardes. Mais les recycler en quoi? En scrap. Mais en fait... pourquoi faire, là, je suis la vitesse. Regardez, oui, mais dès que t'attaques, dès que tu vas attaquer, tu vas être moins la vitesse. Oui, mais là, c'est drôle. Bah, on peut y aller, je pense. Ouais. Ok. Putain, j'ai tellement envie que le moindre rebord me fait décoller comme si j'avais fait 4 sauts. Oh oui. Ah oui. Cet item est ultra bien. J'adore. Mais c'est la multi. Enfin la classe que je joue, c'est pas le meilleur pour le jouer. Mais est-ce que vous voulez un truc comme ça? Ça fait quoi? Ça te donne deux. Enfin, ta troisième compétence, ça t'en donne deux en plus et ça baisse son cooldown, la durée de son cooldown. Moi c'est pour mon flash, donc c'est pas spécialement utile. Je suis super bien. T'en veux pas du coup, Ekin? Non merci.
Moi, le flash, c'est très pratique pour s'enfuir, mais j'en ai pas spécialement besoin. J'ai assez de mobilité comme ça. Ouais, mais du coup, t'as encore plus de mobilité. En vrai, cet item est ultra bien pour la plupart des classes, sauf ingénieur. Donc, ingénieur, il est pas ouf. Ingénieur, ça te donne une mine en plus, quoi. Non, non, là, c'est la troisième compétence, ça te donne un bouclier en plus, mais tu peux pas en stacker plusieurs, quoi. Ah, oui. Les boucliers, en fait, si t'en fais un, l'ancien, il va être détruit. Ou alors, ça va faire des missiles en plus, et là, c'est pas mal, mais enfin, y a mieux, quoi. Toujours plus. Ouais, parce que j'ai une War Horn en fait qui s'enclenche pendant 6 secondes à chaque fois que ça déclenche mon truc. Et du coup, si j'arrive à rendre la War Horn permanente, bah c'est cool. Quoi, t'y es presque là. En vrai, je sais pas. Hein. Parce que la War Horn elle dure 6 secondes et là, je sais pas combien j'ai de cooldown, je vais voir ça bientôt. Bah, je vais arrêter de dépenser parce que j'ai plus que 100 000 pièces. Ouais, j'ai 16 secondes de cooldown de truc, donc ouais, j'ai une War Horn. Pas encore, mais... Ouh. J'ai failli me propulser dans la stratosphère. Allez. Bien. Crusty Box. J'arrive. Une imprimante à truc vert. Prenez oh, pas un les objet rouge. Râtelier. Les... Non, je sais, ça fait quoi? Ouais, double récupération prodiguée. Oh, prenez pas les shops où il y a plusieurs items dedans. Parce que j'ai une Mastercard, je peux vous les acheter du coup. Jamais vous trouvez des drones d'équipement. J'ai un équipement à lui donner. Ok. Prends pas le coffre, tu peux dire. Celui-là, tu peux. Faut juste de la thune. Ça marche aussi pour les potes de ravitaillement ou pas? Non. Si. Ah, tiens, la pod. Tu as parlé des gratuits. Oh, tiens, j'ai aussi la carte. Ah, bah, on achète tous les stores et puis après on récupère les trucs qu'on veut. Ouais. Enfin, les équipements qu'on veut. Pause. Ah, mais il y a plein de marchands là où je suis. Hein, ramenez vos miches. Okay, j'arrive. Nice. Bon, oui. Oh, il y a un scrapper aussi. Oui. Et je n'ai toujours pas de crowbar. Pas de cul. Ça me fait chier de rater à deux crowbars près.
Après, il y a les trishops à équipement. Ouais. Les trishops, après, j'en vois plus trop. Plus spécialement, je vais récupérer mon goût. So much multi on the map. Cube. Yes, un trou noir, il est bien. Hein? Ah non, il y a encore un shop là-bas. C'était toujours la carte. Oui, attends, pas loin, t'inquiète. Il y a un shop ici. Yes. Oh, j'ai rouge. Ah bah, un marteau. Bah, du coup. Je chope que des marteaux, bah du coup, Phila, je chope le marteau si tu veux. Ouais, j'arrive. J'ai fait la maline, j'ai pris le train. You got squished. Who squished you? Who did the squish? J'ai été squillash. Mais qui c'est qui t'a squish? Un espèce de gros lézard qui crache du feu. Faut mal de près. Ah, et il est bleu. Ah, c'est pour ça. Un espèce de def mais énervé. Yes. Et oui, def. Ah là, il est mort. Attends, je vais donner un trou noir à un drone. Pas trop barre. Du coup, est-ce qu'ils ont fait en cycle ou on va avoir Matrix? Bah, si quelqu'un veut ses gros barres, autant cycle. Hein. Ouais, non, plus cycle. Oh, je vous oblige pas, hein, je dis ça pour déconner. Après, moi, je reste peu... si en cycle, je reste peut-être pas jusqu'au bout parce qu'après, il va falloir que j'y aille. Ouais, autant finir là et on fera, je crois, tranquillement après. Je peux le faire une autre fois. C'est qu'un défi, hein, c'est pas la mort. Oui, il y a un fusil là-bas en plus.
Évidemment, il y a une combat qui arrive à son moment. Le fusil, je pense que tu peux le faire si tu veux. Si tu veux, je dois l'activer comme si tu le fais de loin et tu récupères ton truc. Du coup, on cycle ou on cycle pas? Non, non, il va partir alors. Ok. Bah, c'est parti. Je fais le fusil de loin. Ah, yes, grand-parent, en plus ça donne des panulas. La vache! Il m'a collisionné là. Il m'a envoyé à l'autre bout de la map littéralement, en 2 secondes. Et tu peux prendre le planula si tu veux, ça te servira plus. Ça, c'est l'item qui est sorti du fusil du coup. Des verres. Attends, t'as... Scrapvière, il y en a 3 du coup. T'as combien de scrapvière J'en ai 2 sur moi. Ouais, bah prends les 3 régénératifs, alors comme ça, moi, t'en auras 5. Et on pourra se prendre chacun un objet rouge du coup, chez Mitrix. Voilà. Yes. Ready du coup? Ouais. C'est parti. J'ai pas assez de mobilité pour skip les portails. Je pense que vous pourriez skip les portails. Quoique, écume, je sais pas. Bon, moi, c'est 100% que je peux. Hein. Ouais. Du coup, en attendant que vous finissiez, je m'étais mis à FK et. Oui. Bon, on peut penser. Allô? Oui, oui. Yes. Je vous rattrape, je vous rattrape. On le sait. Le Vroom. Vroom. Oh, vous êtes passé à côté de l'item rouge. J'ai pas pris, mais moi je le yank. Il y a quoi? Un Aegis. Bon, ouf. C'est dans un drop pod. Et du coup, là-bas, il y a les chaudrons. Il y a des chaudrons là-bas, et du coup, il y en a qui sont pour les chaudrons rouges. Ouais. Je peux me faire un vert et 2 rouges. Et non, 2 verts et 1 rouge. Chaudron à couteau. Oh, nice.
Attends, un couteau rouge, ouais. Mais couteau rouge. Yes. Couteau de brochure. Et quoi d'autre en rouge? Il y a quoi au-dessus de la au-dessus de la maison là? Un truc à pattes de chèvre. C'est tout? J'ai pas vu grand chose. Ah, j'arrive pas à cibler ce que c'est. Alors, chaudron à pâte de chèvre et tige encéphalamique. Brainstock. Ça me donne le dégât. Brainstock. Brainstock, je suis pas fan quand je suis pas en commando. Shuriken, pâte de foin. Brainstock. Couteau. Il n'y a pas là-bas derrière. Si, il y en a un là-bas derrière. Ah, laser disc. Non, c'est moi ça. Laser disc. Enfin, résonance disque. C'est quand tu fais 4 kills à la suite, ça va faire un gros coup sur un ennemi proche. Non, non, c'est des pattes de chèvre. Des pattes de faune. Bah, en vrai. Ouais, je sais pas. En vrai. Moi, bon, je vais prendre des couteaux. Tu me conseilles quoi entre le couteau et le brain Toi, mercenaire, c'est plus couteau, parce que Brainstalk, en fait, quand tu... Ouais, mais de toute façon, il n'y aura pas d'élite là-bas, en fait, à part peut-être le truc. Non, je te conseille couteau. Brainstalk, il va servir à rien, en fait, je suis en train de penser. Quand tu tues un élite, ça, pendant un court moment, en fait, tout tes cooldowns, ils passent à 0,5 secondes. Et du coup, ouais. Continue à charger d'autres trucs. Il y a deux piliers à charger là-bas. Sauf si on en charge d'autres ailleurs. Ah non, il y a trois piliers de sang. Le pilier de sang, ils sont par là, c'est le plus rapide à faire. Mais non, moi c'est sur 100%, ouais. Je suis déjà tout en haut. Crâneuse. Ah bah, je croyais que tu peux aller plus vite que moi, faut savoir. Hein. Il y a quatre piliers de sang carrément. Attends. Quatre piliers de sang, c'est pas souvent que ça arrive. Moi j'essaye de faire les choses, mais bon. Après, t'as un item orange activable qui te permet de ce qui passe très vite aussi. Ouais, t'allais plus vite que moi avec Cume, faut savoir. Ouais, mais là, c'est surtout une question d'aller haut. D'aller haut et pouvoir rester en l'air. Et puis, c'est pas aller vite. Bah là, en l'occurrence, ça t'aide. En l'occurrence, ça t'aide parce que ça te permet d'aller plus loin que ton dash. Mais si t'as qu'un dash. Double saut, je suis pas sûr que ça suffise. En vrai, je pense pas que ça te suffise. Je pense pas que tu puisses y aller juste comme ça. Donc, mercenaires, loader et artificier peuvent y aller comme ils veulent quasiment tout le temps. Quasiment. En vrai, si je prends assez de hauteur et que je suis assez près, il y a moyen. Bah, techniquement, juste mercenaire avec juste un purity, il peut y aller. Parce qu'il fait hélicoptère. Sinon, artificier avec la charge électrique, elle peut y aller tout le temps. Yeah! J'y étais presque. Oui! Bah, j'y suis. Et si tu vas sur le toit, tu peux aller sur le toit aussi, mais. Tu peux marcher sur le toit, en fait, il y a rien en apparence, mais en fait, il y a des trucs. Non, il me manquera juste un petit peu de hauteur, je peux pas. Si tu vas plus haut que ça encore, Phila. Si tu vas plus haut que ça, t'as un mur invisible qui est... Si tu vas encore plus haut, tu peux passer par-dessus. Ah, mais moi, le problème, c'est que du coup, ça m'a re-téléporté tout en bas. Ah. Bah, fallait pas être trop. Le drone qui commence à tirer. Niveau 30, oh là là. Facile, niveau 30. Easy. En plus, on a un trou noir. Attention.
Mais il est pas au sol là. Non, il y a un trou noir qui l'aspire. Faudra que j'essaie de skip sa phase 4. Si j'y arrive pas, bah faudra essayer de gagner. Ouais, bah, j'ai été tué. Ça va, j'en ai un facile, je peux encore tanker. Ah oui, ton cadavre par terre au milieu. Ouais, j'ai pris un bump avec les trucs d'horloge. Ouais, les bumps ils font très mal ça. Et... Je sais pas, moi j'étais dans les airs, je me sentais pas concerné. Non, j'ai pas skip. Non, j'ai pas skip. Éloigne-toi, j'ai un conseil, éloigne-toi, mets-toi derrière un pilier, j'ai pas skip la phase. Parce qu'il va faire mal. Bah, du coup, il a pas les items de fil, je pense. Et si tu peux l'avoir de loin, essaye, parce que moi j'ai pas beaucoup de portée en fait. Ah bah, vraiment, ah bah non, les... ah non mais, il y a oui les drones, non mais, y a... hein. Oui il y a mes, non mais pas les drones surtout, il y a mes copains, il y a mes multis en goût, ils font tout le taf. Non mais c'est bon en fait. Non mais je suis allé la taper, t'inquiète. Non mais c'est bon en fait, ça va. On rachète les drones. Pauvre fille là. Et voilà. J'arrive. Oui, je sais, je fais pas de dégâts. Je suis immobilisé. Bon, je tank. Oui. Bon. Pourquoi? Pourquoi pas? C'est qu'une t'es sale. Oui, comme d'hab. Un bufferfish. I wanted to hug the friend. He did the hug, the rave hug. Et on est mort? Non, c'est... on est mort, ça y est. Non, c'est... on s'évade. Non, y a que Fish qui a été tué après. Du coup, Fifi, tu voudrais en faire une autre après? En gros. Je vais surtout aller manger un bout, je pense. D'accord. Ouais, moi je vais y aller. Mais la c'était bonne raclette à toi. C'était sympa. Bon appétit à vous. Bonne bon soirée. Appétit à toi, bonne raclette. Salut. Ouais.
On a JDR ce soir ou pas? J'ai demandé justement sur... sur le channel, donc bah maintenant, enfin donc maintenant je vais laisser RCA jouer et bah du coup il paraît Monkey aussi. Ah. Attendez si tout le monde était là ce soir, il y a juste Trigun qui vient de répondre. Oui. Bah ça va, t'as déjà fait plus de dégâts que moi. Hein, comment ça? T'as fait 5000, j'en ai fait 430. Et Fish en a fait 680. Bon, comment ça se fait? J'ai pourtant pas un build de dégâts, moi. J'ai ramassé tout ce qui traînait, surtout. Ouais, j'étais plus du genre à jouer Regen et Das. Hein. Bon bah il me restera plus qu'à faire le défi prismatique sans perdre de vie. Bah, ça va être chiant. Ouais. Oh, je pense que trois fois arrivé c'est bien. Ah. Ah, moi j'arrêtais là pour aujourd'hui pour le stream. Doki, la bonne soirée de tout le monde. De toute façon, avec eux, on se dit à tout à l'heure. Hein. Oui, à tout à l'heure. Ciao, ciao. Bisous. Bisous, bisous. Et puis, bah, du coup, moi, le live, on va faire fin de live. Je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée. Comme je vais aller manger un bout, tout ça, me poser un peu. Là, je suis. Petite session de 3 heures, en vrai. Genre... En vrai, je trouve que 2 parties c'est... par jour, ça va. C'est bien. C'est chill. Bah du coup là je vais arrêter là, tranquillement pour moi, je vais aller manger, regarder des vidéos, peut-être aller jouer à un autre jeu. Elle probablement enchaîner en mode farm même si pour ça passer. Pour que je farme encore les niveaux. Ouais. Et du coup je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, puis bah du coup probablement demain encore un nouveau live sur Risk of Rain, faudra voir. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye!